Normalement. Vais check ça. Et si c'est déjà bien lancé, bonsoir. C'est bien, on est lancé, je vois des squelettons faire le... Salut les gens, on est parti pour commenter la, et ben la RDE numéro 39. 39, waouh. Et semaine prochaine, c'est la 40e. Oui, bah d'ailleurs c'est bientôt l'anniversaire de la de la RDE. Hein. C'est le 10 ou 11 octobre. Du coup, ce sera sur la RDE 40. Ça tombe sur un chiffre rond, c'est fantastique. Oui, c'est beau. Souci de son ou pas? Non, je vais écouter vite. Checker parce que. Ah. Ou sinon c'est le chat normalement. Non, ça m'a l'air bon. Ok, y'a pas de souci de son. Ça m'a l'air bon niveau son. Ok, merci, j'ai pas chopé les replays. Hop, que je check juste les premiers replays. Parce qu'on va partir sur du Trini Radical Ray. Ouais. En Winner Round 1. Absolument. J'aimerais bien partager l'écran parce que sinon je suis. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Je ne peux pas caster avec mon nez, voyons, je ne peux pas sentir le gaming. Voilà, c'est bon normalement. Hop. Voilà, c'est parfait. Je vais mettre le chat de côté. Ouvrir ça dans un lecteur réduit. C'est un lecteur réduit alors qu'il est obèse ce lecteur. Voilà. Ah oui, attends. Faut juste que je fasse un petit détail. Qu'il y ait clean mes replays. Donc... Oh, c'est encore plus convenient. J'ai avoir le chat à côté du replay sans aucun problème. Hop. Voilà, j'ai mis le son du stream à fond. Normalement, je devrais entendre ce qu'il faut. Ah oui, excusez-moi, juste le temps de créer une copie. Ouais, TKT. Collé. Oh putain. Ah oui! Tant que je t'entends et que j'ai petit peu le son du jeu, je suis prêt. Télécharger, hop, 30 secondes, petit souci. Je suis là pour chier, c'est tout. T'avais manqué en fait de caster une RDE. Ça fait trop longtemps que j'avais pas casté. Et je suis très content de pouvoir tester avec toi. Hé hé! Premier cast ensemble. Yes, le premier cast ensemble. Hop. Excusez-moi, juste pour les replays, le temps que je mette les replays au bon endroit. Hop. Et normalement, on va pouvoir bientôt y aller. Yes, ça y est. Vous voyez les magnifiques replays. Oh, et déjà Trini qui part sur... Trini qui part sur un Force Burn. Sur un Force Burn. Et Radical Ray qui part sur un CAG. Donc du coup c'est du CAG Force Burn, ok bon c'était... CAG Force Burn. Alors Force. Oh putain, excusez-moi ça fait un petit moment. Ouais on dérouille tous les deux. Ouais moi, c'est ça. Moi pour raconter mes conneries et pour la régie. Ouais pour la régie. Et bah on va être parti. Et we go. Et du coup on voit... Et bah ouais on part sur Tower of Even. Ouais, très basique, mais beaucoup aimé. Parce que tu peux faire de sales combos avec les trois plates. Ouais, moi les triplates, je suis un peu un caca dessus. Donc, du coup, ça part sur une agression. Trini qui se refait pari, les Dawn Bay qui sont évités. Ok, petit nerf. Ok, Trini qui. Ouf. Oh, le B qui était bullsy. C'est très magnifique aussi. Le crack qui tue. Ah, le F-Tron qui est mal vieille. Ça tue fort. Et en plus, c'était pas très bien VI. Ok, le nerf, le donne site, le fait. Ah, ok. Elle a pas assuré. On a quand même chopé quelques petits pourcents, même s'il y a une stock qui en tient au début du retard. Ok, le. Un deuxième der. Est-ce qu'il Trini va chercher? Ok. Oh, il attend! Bien vu! Ouais. Ok, nerf, upper. Ça attend, ok. Mauvaise direction. Du MB. Oula, le gros F-Tron! Par contre, il a du mal à trouver le kill. Hein. Après, en plus, c'est crack, du coup, bah crack. Ouais. Ok. Il fait avoir. Bon setup de la part de Radical Ray. Ouais. Ok. Strong, down tilt. Dash attack. Nair. Ok, il attend. Oh, il est pas sur le Trini. Oh, dommage. Trini est très patient comme joueur. Ouais.
pour Ner. Très bon pari. Ner. This is Nerland. Ok, Dash Attack. Oh, intéressant la cap pour l'extrême de combo. C'est un peu hors sujet, mais je suis en train de faire de mon mieux pour pas faire une syncope devant la couleur du skin de Krag. Oh, vrai, non, mais il a de la gueule son skin. Ah, il est très bien fait, mais ça me fait penser, ça me fait beaucoup trop penser à Swank, donc. Ah, ok. Ce fameux yo-yo en bleu. Bref, du coup, on sent toujours un bon avantage pour Alcalre avec une stock d'avance. Ouais, et là, on voit vraiment Trini. Ok, deux kills. Ah, ça, il arrive pas à trouver le kill. Putain, Krag, t'es lourd et t'es gros. C'est ça, et Krag, il est très ok, très bah, utilisation du clone pour utiliser la fumée. Bon. Ok, ça bah, ça, comment tuer abuser des mauvaises DI. Voilà ce qu'a fait Trini. Non, je rigole. Le F-Strong mal DI. Ne le pointez pas du doigt, c'est normal. Oh, faire des mauvaises DI au début. Oh la bonne tech de la part de Trini. Ok, le B directement. C'est esquivé. Parce que là, les deux strong de Krag, F-Strong et F-Strong DI, hein. Puis pour ça. Ah ah ouais, 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 voilà, c'est compliqué à DI. Première game pris par Radical Ray. Yeah. Première game prise de manière assez impressionnante, hein. Il avait une bonne avance, il s'est très bien débrouillé à cette première game. Totalement. Du K Gaming, donc du coup. Et bah Trini qui va forcément passer sur son main qui est. Il passe sur sa clé run. Sa clé run. Une clé run qui est impitoyable. Quand il l'a mis. Bah elle est très solide partout. Allez, on est parti. Ça part sur Rockwool. Ouais, Rockwool. Ce qui est quand même étonnant un peu parce que c'est plus un counter pick que Krag aimerait prendre. Ouais. Tu meurs sur les côtés tellement vite. Ouais, c'est ça. Clairement, on profite tellement moins que Krag. Ouais. Sauf que la Krag il a plus de piliers. Voilà, c'est le truc, c'est que Trini c'est une Clairon qui a l'air de savoir jouer contre Krag, donc clairement il ne le laisse pas. Il le laisse pas souffler. En général, de ce que j'ai appris, Clairon en fait contre Krag, comment elle veut gagner le matchup, elle le fout off stage et elle le garde off stage pour gratter les pourcents. Ouais, bah en plus Clairon c'est le perso qui peut reset. Choper, avoir un qui a l'un des avantages positionnels les plus énervés du jeu. Du coup, garder plus longtemps possible. Et là, Radical Ray. Oui, pro tarif. Oh, ouais. Mais ouais, okay, comme dit, Clairon est vraiment l'un des meilleurs edgeguards du jeu. Elle est. Ouais, bien je que je sais pas si elle est meilleure pour edgeguard qu'Etalus. Théoriquement, Etalus est censé être meilleur. Après, c'est des outils différents. D'ailleurs, dans le sens où. Clairon va beaucoup abuser de son Dair et de son Earth et de son Fer. Le souci c'est que le nerf faut vraiment très bien le caler pour tuer, le fer il tue pas, il poke, et un gimp pardon. C'est ça. Et si tu peux annuler le nerf, ce que peut faire Krag en fait, avec son juste avec son pilier quoi. Oui, son arme. Bah ça enlève pas mal des outils de Clairon en fait. C'est vrai. En fait je pense que c'est vraiment un truc différent entre Etalus et Clairon. Oui. Etalus c'est vraiment un perso qui va te tuer off stage et Clairon c'est un truc qui va te garder off stage. Bah Clairon peut te tuer off stage. Les deux peuvent le faire en fait, c'est surtout qu'ils ont des outils différents. Et t'as vu c'est ses icicles. Et t'as vu c'est plus ses icicles et ses gros moves qui te balancent des grosses tatanes et qui te renvoient un peu loin. Mais ça va, alors Clairon, moins. C'est plus qu'elle a comme elle a beaucoup de range, bah ça t'envoie. Il va bien vu de la part de Radical Ray. Par contre, ouais, il est buté une stock. Ouais, c'est l'inverse de la game, c'est Radical Ray qui en retarde une stock. Ok, le side B. Le side B dans le neutral qui passe très très bien. Bah, il l'a lu. Oh là là! Oh non, pas le double d'air! Trini! On veut le double d'air! Aucun regret, Trini! Ok, en premier. Ok. Allez, ça bouge, ça explose, ça lui bourre le pif. Ok, il a pas retouché le sol. Et ouais, c'est mort. Ouais, il a pas retouché le sol. Oh là 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 là. Très vénère de la part de Trini. Très méchant de la part de Trini. Ouais. Même si Radical Ray a quand même réussi à lui prendre 2 des stocks, hein, c'est comme... Ah oui, bah de toute façon, Radical Ray qui quand même se défend défend bien, hein, parce que Trini... Ouais, Trini, il est solide de ce fuck, hein. Trini, il est solide comme un archéodong, hein, de type acier, tout ça. Du coup, ça et il va switch Radical Ray sur son Rano. Ouais, ça switch sur son Rano, et à côté, il counterpick Spirit Tree. Ouais. En général, tu counterpick ça contre une Clairon et se frotter, moi. Bah, ouais, Spirit Tree, faut être ballsy face à. Face à Clairon, hein, parce que c'est vraiment l'une de ses trois meilleures maps.
clairement. C'est ça, avec Triple Pound des Tritop, si vous ne trouvez pas. Ouais, normalement, c'est ça. Attention, ok. Dash attack, ouais. Nerf. Ok, il attend. Bien vu la langue. Le nerf, le fer, le ber. Ok, le nerf. Ok, un petit combo sympatoche qu'il reprend. Il a bien maximisé la bubu, il a récupéré 20 bons pourcents. Il égalise un peu les pourcents. Ouh la mauvaise vieille, c'est compliqué. Ok, il fait le bubu le machin. Par contre, là, si Trini fonce avec un nerf, il est dans la sauce. Ok. Non, Trini est patient, il fait pas de commit. Bonne pari de la part de Radical. Ouais. Attention, nerf, fer. Ok, bien vu de la part de Radical Ray. C'est un idole et Gillard. Ouais, bah là, c'est plutôt une idole pour Gim, peut-être une erreur, mais Trini, il est solide, il fait pas ça, il fait pas d'erreur. C'est ça, et surtout en fait, je pense qu'il a aussi beaucoup lancé de middle parce que. Oh là là, très très. Bon petit derf F-strong par Trini, c'est un classique ça. Ouais, ok, bien drift, très bien drift de la part de Trini. Attention. Il fait pas de tentative d'edge guard un peu débilus contre Claren, vu que. Bah en soi, c'est possible, en vrai, il peut totalement edge guard parce qu'il a un projo. Et s'il touche son projo, là-dessus, il est free. Et sauf si Claren va très très loin. Claren est tellement linéaire lorsque c'est loin que vraiment c'est free. C'est, faut vraiment abuser de ça. Mais c'est des phases très particulières à l'edge guard de Claren et je trouve très très particulier comme edge guard. Par rapport à d'autres personnages qui sont. Free. Ça tue pas. Ok, le upper qui est évité, bien joué. Ok, bah là c'était bien tenté, mais malheureusement ça passera pas. L'edge guard. Ouf, attention la vieille. Donc elle a fait le type P. Ouais, ça punit vraiment bien les whiffs. Ou tension, bah oui. Oh, oh non, Trini. Trini qui a fait l'andouille. Ouais, c'est pas grave. C'est ok, pas grave. Il touche, ouais. Oh là là, ouais. Par contre, ouais, si. Visiblement, il sait pas. Alors, c'est compliqué de tech le DR de Claren, mais. Ça fait qu'à chaque fois, c'est free F-strong. Ouais, c'est ça. Ou. Bonne passe de la part de Radical Ray. Ouais, là vraiment il arrive à le tenir offside. C'est pile ça ce qu'il faut faire. Ouais. C'est que il force Trini à devoir faire des choix. Et à chaque fois il le cache sur le bon ennemi. Le souci c'est que. Ok, la dash attack. Ouais, passe. Ok, très très bonne nerf. Phase. Très très bon needle. Ok, ah, bon. Ah, la vienne roll. Ouais, bah. Il s'est un peu précipité. Trini l'a vu et il a roll. Bon, oh, Trini il veut les doubles d'air mais il les rate. On espère qu'il va nous en. Au moins nous en montrer, hein, parce qu'on veut voir des doubles d'air de Trini. Allez, fais-nous rêver. Allez, le upper. Il attend, le up tilt, top tilt. Vers le der, le F-strong. Ouf, bien DI de la part. Ok, ber, F-strong. Bonne DI encore une fois, la bubule pour Eco. Très bonne Eco. Aïe, aïe, le petit qui catch, qui tue. Aïe, 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 on est. Et ouais, ça a des très bonnes recos, mais Trini a. Ouais, bah après, c'est tellement terrifiant, Claren. En edge guard. Ouais. Et hop, vite fait, je vérifie. Ok. Ah oui, Drago, c'est vrai qu'on a pas ping pour le stream. Tu peux ping pour le stream. Excuse-moi, j'ai mis. J'ai pas ping, on a pas ping en stream. On a pas ping pour le stream, juste au moins le faire. Ouais, juste vas-y, tu le fais. Et... Hop, vite fait que je check. Je relance OBS. Et alors que je recheck OBS. Ok. Que je lance. Que je prépare la prochaine game. Du coup, on a oublié de ping pour un set entier. Oupsi. Le set est pas fini techniquement, du coup. On n'a pas fini le set. Radical Ray peut toujours peut remonter. C'est le set de match pour Trini. Yes, absolument. Du coup, nous sommes game 4, c'est ça? Ouais, exactement. Et on est reparti sur Tower. Bah oui, la variante de Tower of Heaven. Oui, moi je reste fidèle au nom. Oui, attends, je ne connais pas le nom, honnêtement. C'est pour ça que j'ai réussi. Tower of Heaven. Je connais pas le nom de la variante. Oui, donc Either Eye, du coup, l'équivalent de Tower of Heaven, si vous voulez flexer, mais un peu. Oh, elle est tellement belle, c'est top. Oula, side base, puis par un grab, tilt, un fer, deux fers.
Ok, bien vu. Ah, ça c'est terrifiant. Ouais, mais c'est terrifiant les Don't Tilt au Ledge 2 de la part de Karine. Clairement. Surtout quand tu récolo, parce que récolo, ah, ils vont t'es peinard, plus ou moins. Ok, attention, ouais. Trini qui s'était très bien positionné, parce que ça lui permet de couvrir la roll et la réco un peu précipité. C'est ça, c'est ça. Un bon d'air. Ok, soit. Pas follow. Ah ouais, là par contre, Radical qui s'est un peu. Il s'est un peu dépêché, le souci c'est que il pouvait avoir un avantage positionnel qu'il a totalement drop direct et bah Trigger a réussi à esquiver du coup la grosse puniche qui s'est pris. C'est ça, il a un peu perdu son câble à ce moment là donc du coup Trignon a profité. Oh dommage, il y avait peut-être un autre fer. Fichtre, ça aurait pu être parfait. Mais ouais mais il y avait un bon début, en vrai le début était clean. Ouais, et là il a quand même gratté quelques petits pourcents, c'est assez sympathique. Ok, le F-Tilt. Où il a plus d'options. Ok, ça passe. Il commence à se faire un peu boomer. Non, c'est bon. Non, c'est moins okay. Bon. Ok. Oh, dommage. Trini qui rate sa punish. Ouais. Bah, okay, il a commencé un gap check. Ok. Le nerf. Ça attend. Ouais. Oh, pff, là, ça a tenté la grosse read. Mais c'est pas passé. Ok. Ouais, le save de la keep. Qui purple là c'est compliqué pour Radical Ray qui arrive pas à installer son jeu, le jeu défensif et de punish de Trini est trop clean. Ah dommage pour la lecture de DI. Très bonne parmi le side B. Ouais, Trini veut vraiment l'envoyer offstage. Il vrai. C'est là qu'il brille, hein. C'est là qu'il brille. C'est là qu'il brille, et puis comme à chaque fois, en fait, il joue beaucoup le positionnement. En fait, son but c'est vraiment tu take it, bah je te catch. Attention. Et du coup ça a foiré la DI du nerf, donc ça a perdu le stock. Ok, le bear. Ok, ça follow pas. Ouh, bien vu la pari. Oula. Ok, ça a tenté des trucs, pourquoi pas. Ok, la dash attack qui va bouffer. Up tilt. Le nerf. Le fer. Le nerf. Oh, c'est intéressant ça. Ah, dommage. Ok, la pari. Ah, là, par contre, c'est Radical qui a l'air d'être. Ouais, le souci c'est que. Ouais. Il a beau être dans la tête, ça s'écouche. Ça change presque coup pour coup, vu que bah. Trini a l'air d'afficher plus de pourcents à chaque phase. C'est ça, ouais. Trini. Et ça fait la diff en fait. Il a beau avoir le neutral, bah. La petite diff de phase fait la diff. Et ouais. Il a pas beau le jump. Il a dû avoir peur. Ouais, alors que le mur est ton meilleur ami lorsque tu es offstage, parce que ça te permet de tech, clairement. Et la tech c'est super fort, sachant qu'à notre niveau on ne sait pas, gérer les... On sait pas du tout gérer si quelqu'un tech. Genre... Oui. Pour le moment, à ce niveau là c'est un peu plus compliqué. Ouais quoi, c'est ça, parce que... qui fait une petite tech là. Bah tech et ensuite tu peux largement en abuser. Du coup, ensuite on va passer à Ankoku face à Blob. Alors, Hollander vient de nous dire qu'il ne faut pas passer 7 parce qu'il y a un replay qui est saboté, donc on va peut-être oublier ça. Bon, bah on va passer à un autre 7 dans ce cas. Saboté par un... Mais j'ai envie de dire que c'était... Non, c'était un bon 7, je trouve, à part les deux joueurs. Le radeau de Radical Ray est pas du tout dégueulasse. Non. Bah y'a... Tu sais, y a un début, après il reste plus qu'à... Maintenant faut peaufiner, ouais. Ouais, ça s'améliore. Donc du coup, ce qu'on peut faire, ce serait Corkito contre Akara ou Maxime contre Albaris. On a Corki Crack, on a Krakito qui se paye une DQ plus tard. Je propose qu'on regarde. Et bah, okay. C'est Krakito, hein, c'est notre Krakito. On l'aime. Ah, il sent son crack, Corki. Non, je l'appelle juste Krakito. Ah, tu l'appelles juste Krakito. Putain, je crée. C'est un crack, Corki, c'est pour ça. Mais ouais, donc. Non, c'est pas Krakito. Oui, c'est parce que Corkito, c'est un crack, c'est plutôt ça. Voilà, c'est ça. Non, là, c'est ça. Donc, Corki. Il vient faire une syncope quand j'ai mentionné la DQ. Dans le chat. Question con, que joue Akara ou à... Si on en croit ses rôles, ce serait normalement du Ori. Ce serait du Ori, et bah on va donc normalement avoir du Ori Orkan. Ouais, ok, donc Trini vient de confirmer, Corkito aussi, c'est du Ori. Ok, et bah
on va voir ce que ça donne. Hop, on va juste... Donc techniquement, du Ori contre Orcane, sauf si Corkito il fait le siphon. J'ai pas le 7. Y'a pas le 7 ? Non, non, y'a pas le 7. Winner round 1, je n'ai pas les replays. Voilà, bon, bah... Corkito, ils sont où les replays ? Pitié, dis-nous que tu as les replays. Pitié, dis-nous que t'as les replays. Je vais te gronder, Corkito. Je vais te gronder, tu vas être puni. Ouais, bah en vrai, si tu peux les mettre, ce serait parfait. Hein. Tu fais un dossier dans Winner Round 1. Et puis. Ouais, si tu les as, ouais, je te laisse. Tu me dis quand tu les as mis que je refresh la page. Faites le 7, tu le prends. Et puis en fait, l'autre 7, sinon je prends les 7. Bah en fait, le souci c'est que. Pff, ouais, si on a Maxime. On peut switch sur du Maxime, mais bon. Y'a Maxime format 42 fièvre contre Alba, tu vois, mais... Ça dépend, bah bon, vas-y, faisons une demande au chat. Le chat, vous voulez quoi? Vous voulez plus Corkito Akarawa ou Maxime 42 fièvre face à Alba? J'aime beaucoup la précision Maxime 42 fièvre. Bah c'est une précision. Maxime est à des moments incroyables où là-dessus il est ultra fort. Et il y a des moments où c'est plus compliqué pour lui. Bon, bah bon, voilà. On fait Maxime en attendant et ensuite. Ok. C'est Chet qui parle là. Hein. Je te propose un défi très débilus. On tente à chaque fois de prononcer Maxime 42 fièvres. Ça peut être très moi je vais le faire. Je sais pas si tu vas le faire toi, mais je vais le faire moi. Ah vas-y, on va le faire. Du coup, bah ce sera de la Orcane Claren. Orcane Claren. Yep. Alors... A voir si je sors pas son SK, c'est pas impossible qu'il sorte SK. Les... Maxime 42 fièvre. Ouais, à voir ce que ça va donner. Yep. Non win rare. Alors, à voir ce que ça donne. Après le matchup, bon et. Ah, mais attends, vu que Maxime n'aime pas le matchup, il va sortir son SK. Peut-être. Ah, peut-être que Maxime 42 va sortir SK. Bah oui, putain. J'ai le réflexe de dire Maxime. Je dis pas obligé de le faire, moi je le ferai. Oui, mais ça, c'est les habitudes. Moi j'en raterai un, je me prendrai un gars. Et donc, oui, c'est bien le SK de Maxime. 42 fièvre. Et on va partir tout de suite pour la game. Sur Forest Floor. Sur Forest Floor, une map très très plate. Oh, ça passe direct à l'attaque et ça fait complètement choper. Ouah, bah c'est Alba. 42 fièvre. Alba, c'est un joueur très agressif. Ok, il avance, il est en train de gratter du terrain petit à petit. Maxime qui est totalement en fuite là. Ok, Maxime qui arrive à cette situation. Il y a un chef qui fraude, qui fuit le fisc, clairement. Ok. Bah ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin et en vrai c'est les habitudes à prendre, mais c'est vraiment super fort. Ouais. Ok, Maxime bonne phase. Agression, Maxime bonne. Ok, le F3. Ouh, la mauvaise IAI et ce sera le kill. Ok, le chain de APR, Intubert, up tilt, up strong, putain! Allez, Forest Floor. Okay. The floor is not là-bas, but the roof is very low. Yep. L'orage au mon anglais. Ok, le. Voilà, le side B. Ouais. Maxime qui tape des strong, qui utilise vachement les side B et que bah Alba a du mal à gérer, non? Ouais. C'est un move, pas mal de gens galèrent contre le side B d'SK, c'est bizarre. Ouais, c'est. Moi, on profite d'un petit tech dose, hein, clairement. Exactement. Bah, qui a agressé. T'as pas de follow-up, mais bah, tu touches et tu prends l'avantage, quoi. Et comme la range est vraiment pas dégueu, bah. Genre, vraiment, ça étonne en fait. Non, en fait, littéralement, en termes de range, tu tiens un SK devant toi qui fonce à 150 km/h. Ouais, ok, Machine Kiriko, bien vu de la part. Ok, ah, touché, oh, le pari. Ah, bon, pari. Ah, pas le sweet spot du type du side B. Ouais. Ok, c'est typé. Ok, F-strong. Ouais, très bon. Bien vu de la part de Alba, parce qu'il était pas.
Il avait réagi peut-être un poil trop tard pour le Epsilon. Ouais. Mais au niveau du Epsilon, il était parfaitement clean, parce que ça, vu que ça prend que Maxime. Ça, vraiment, ça a vraiment surpris. La momentum est okay. prise. Ok, ouais, la fameuse momentum est mort. Maxime qui est parti un peu loin. Ok. Je voulais faire un petit peu d'exploration près des Blast Zones, c'est dangereux. Yep. Ouais, ça se fait. Ça bonk et ça tue. Ouais, ça prend le kill. Ça reste assez serré, hein. Maxime, il a 49 FUM, mais non. Il est toujours, il est solide. Hein, ce... Non, mais c'est Maxime. Belle tech de la part d'Alba. C'est ça, Maxime 42 FUM qui est clean. Hein. Ah ouais, ok, le. On... Ok, dash attack. Ouais, par contre, le souci c'est que là, il faut prendre des. Il faut comboter, Maxime. Ouais, faut mettre des combos. Et là, ça complique les choses. Ça, les pourcents sont de plus en plus close, mais. Et aussi, les pourcents sont aussi de plus en plus close du décès du côté Maxime 42 fièvre. Ouais, le Don Strong. Ouh, ouais. Mauvaise IA qui fera que Alba prendra la première game. Première game du côté d'Albaris. Du bon boulot de sa part. Ah oh bah là-dessus. Et bah du coup, bah, je pense que sans transition, on va partir sur la game. Ouais, 2. Bah oui, on va partir sur Tower la game. Tower of Heaven. Et on part, ouais, sur Tower of Heaven. Quoi? Il y avait eu des couilles encore. Ah oui, ah non, putain, je sais. Hein? Ils avaient fait un BO3. Alors. En fait, ils avaient fait un BO3. Alors, à part que Maxime se soit barré, mais normalement, en fait, ils avaient d'abord fait un BO3 parce qu'en fait, tout le tournoi était en BO5 parce que bah, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est ça. Ils ont dû se reconnecter. Du coup, c'est peut-être à cause de ça. Du coup, on a que deux matchs. Je crois. Si je check bien, on a que deux matchs. Ouais, ouais, bon, on a que deux matchs. Alba, APTN, ma badge, j'ai laissé ce replay. Bon, vous. Non, mais les replays, les gens. S'il vous plaît. C'est pas possible, je maudis les casques. Non, mais là, c'est. Là, par contre, c'est pas toi qui maudis, c'est un niveau de. Les gars, quand même. C'est pas compliqué, faites-le bien. C'est pas grave, Alba. Voilà, moi je suis pas là pendant DR2, j'entends pas parler de soucis de replay. Je reviens. Bon. Oh, bah, on aura que deux games, hein, malheureusement. Il y a trois couilles du replay parce que tu te rappelles que Hollander a dit pas casser son premier set avec Blob parce qu'il y avait des replays qui foutaient la merde. Ah oui, non, mais là encore qu'il y a quelques couilles. Généralement, quand t'es là, Dragout, t'es là, t'es en mode ok, là c'est la malédiction. Mais là, c'est quand même trois replays qu'on n'a pas, genre trois sets qu'on n'a pas tous les replays. Du coup, bon. Mais c'est moi, genre littéralement, je me rappelle. Non. Je me souviens de l'époque où c'était rigolo qu'on était en ladder of heaven, qu'on voulait cast un set avec Nimai et que ça finissait que moi qui râle pendant 5 minutes et qui engueule injustement le pauvre Nimai. Pauvre Nimai. Nimai qui est une crème au passage. Bon, on va quand même passer. Alors, je sais pas si c'est la game 2 ou la game 3, mais une game sur Rockwall. Oh, Rockwall, quelle map fantastique. Je déteste cette map. Oh, en vrai, cette map, elle est particulière, mais ça va, elle est pas trop extrême non plus. Je l'aime pas le layout, j'aime pas les Blast Zones, j'aime rien, j'aime pas la musique. Ah, ça va, hein. C'est pas Tempest Peak ou Blazing Head Out que tout le monde déteste. Ouais, mais moi, Tempest Peak, c'est beau. Ah, bon, bah, les mauvaises DI. Ouais, la première DI qui fait. Ouais, non, mais. Et la DI aussi mauvaise que ma foi. Maxime qui est énervé. Ouais, Maxime, il veut des coups de pelle, sauf que là pour l'instant c'est des coups de sable qui se prend. Ouais. Par contre, Alba qui. Ouais, il est chaud sur Sarico. Et bien vu de la part de Maxime qui attend l'impatience. Ok, le B qui arrivera à remonter de Alba. Ok, ça touche pas le père. Ok, F-Tilt. Les pourcents sont élevés de côté. Alba qui est encore assez. Ouais. Chill. Oui, c'est que. Alba qui peut mettre une stock là. Ah, oula, DI! Alba, plus de saut. Ok, bon. Maxime qui a fait une erreur. Ok. Maxime 42 qui s'est trompé au niveau du save d'avance, il n'a pas pu tenir la recovery. Ok, le bear. Ok, dommage, le bear qui en met du mauvais côté. Ouh, bien vu l'air dodge d'Alba. Ouais, l'air dodge qui a sauvé une encre. Ok, F-Tilt. Très bon reverse,
ça risque de tuer. Ah, Maxime 42 fièvre qui passera pas. C'est insolent ça. Récupère le poisson. Ouh, attention. Ok, donc bah, déjà ça vaut le poisson. Le pari, ça attend. Ok, ça deux soupçons. Oh, voilà. Allez, gros strong, c'est bon, c'est pris. Là, c'est compliqué pour Alba. Ok, ça type. Ok, un DR. Oh putain, le saut upper qui permet de revenir de tellement loin, qu'est-ce qu'il y a? Clairement, une très bonne recovery ce perso avec ses petits mix-up. Petit rebond ouais. Avec le très, très bonne serait. Très bien. Ouais, très bonne, ouais, ce serait presque un recovery. Yes. Attention. Oh, ok, oh le pari. Le grab. Étonnant, parce que le grab a pas tant de follow-up que ça. C'est ça, il y a pas eu beaucoup de follow-up, ce qui fait qu'il aurait pu tuer, je pense, avec un autre follow-up. Ok. Ouais, bah le petit 2SK qui est insane. Ça parie. Ça... Oh putain, mais vraiment, ils se sont dit pari ou roll qui varie de l'autre. Ouais. Et là, oh, ok. Oh, c'est dangereux. Oh, Maxime, il a plus rien. Ok. Oh, bien vu. Non, c'est bon, il a plus recover. Putain, la réco de Maxime. Tellement clean. Ouais. Maxime qui est très solide sur recovery. Ok, là pour l'instant c'est vraiment que des petites touches. Hein. De fièvre. Oh, très bien vu de la part d'Alba. Le petit upstrong. La petite piqûre de rappel anti-tétanique là. Ok. C'est en mal de voir cette petite sexe. Ah bah c'est le mec qui est en de fièvre. Ouais, machine qui est reparti à l'autre bout. Ok, up tilt. Non. Alba qui est en danger, hein, clairement. Ouais, Alba là il est plus aussi, il est moins dans sa zone de confort, du coup bah on sent qu'il touche, mais il win pas. Genre dans ses combos il win pas, et juste il va toucher, il va repousser l'adversaire. Il va pas commit. Voilà, non, il commit pas une seule fois. Hein. Et clairement son jeu safe. Mais là par contre là ça marche très bien, il a comeback putain. Bah Maxime qui a mal rico. Et Alba qui a totalement payé dessus. Et bah du coup. Du chiffre qui s'est fait guac. Ouais, c'est ça. Et bah malheureusement, on n'a pas d'autre. C'est ça, donc on va croire sur parole et on va croire le challenge que. Et du coup, bah voilà, on va devoir croire le challenge parce que c'est Alba qui a gagné. Voilà, donc selon le challenge, Albaris a gagné. Longue vie au challenge. C'est ça. Je te propose de passer en tour 2. Capitaine, longue vie Rockwool, non. Ensuite, on va où? Je te propose de passer en tour 2. J'ai envie de voir Trinier en coco. Tu veux déjà direct passer au tour 2 ou tu veux aussi d'abord faire le loser? On peut faire du loser. Qu'est-ce qu'on pourrait des matchs un peu différents, tu vois. Bah, un petit radical blob parce qu'on n'a pas vu blob. Radical blob. Ou ouais, ah. Vas-y, un petit radical blob et après on passera au winner round 2, je te propose. Du coup. Akara, pas de. On verra pas Akara, c'est ça? Ah bah si, peut-être regarder. Ah si, je vais peut-être regarder aussi à. Ouais, on regardera les deux. Allez, on regarde. Akara, ouais, parce que. Oh, y a le tournoi est petit, on a du temps. Normalement, du coup, autant. On est vibe. Exactement. Autant qu'on puisse voir. Autant qu'on puisse voir au moins une fois tous les joueurs. Ce serait une bonne idée. C'est ça. Bon, je suis désolé, j'ai l'impression de beaucoup trop te couper la parole. Non, en vrai, j'ai pas du tout l'impression. Tu veux que je te fasse péter une turite? Hein? Vas-y, fais la y a pas, y a pas Akaroa Maxime en loser round 1 en replay. Si moi je prends mon oreiller. Voilà, bon, les gens, par contre, s'il vous plaît, soit mettez-vous d'accord, soit soyez clean sur les putains de replay. S'il vous plaît! Excuse-moi! C'était quoi? Le chaos! Je sais pas. Je vais ping tournoi. Je vais ping dans le tournoi, je vais gueuler avec. Bah, en soi, tu as le droit, je pense, parce que. On est quand même. Mettez vos sacres bleus de replay dans le doc. Attends, Akaroa qui joue du. Qui joue au riz si. Non, attends. C'est qui que je viens de télécharger? Paf que. Ah oui, non, c'est Radical Ray Blob. My bad. Blob il joue quoi d'ailleurs? Je n'ai aucune idée. est-ce que tu sais ce que joue Blob? Ou est-ce que le chat pourrait me. Ça, chez du SK.
C'est du SK. Et bah, on va revoir du SK. Ça, ça fait plaisir. Hop. Alors, SK, que je vous update le la fiche de match. Hop. Voilà. Ah oui. Et c'est du loser round 1. C'est pas possible. Mais tout est possible, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise 3-7 round 1, c'est pas possible. J'ai pas dû faire... Oh, je me refais battre par les replays qui pop pas, quoi. J'avoue, c'est... C'est pendant très deux mois, étrange. Piteux. Ah, je me prends. Là, en fait, ça a stacké toutes les R2 que j'ai pas casté, tu vois, ça s'est stacké. Ouais, parce que là, c'est vraiment étrange. Après, c'est souvent des gens qui sont nouveaux au R2, donc tu vois. Ouais, c'est ça. C'est juste que simplifier nos vies. Ah, bon, bah Radical qui part sur son crag. Ouais, ça repart le cag. Et on est parti sur Forest Floor. Yes. Voyons voir comment Blob va se débrouiller contre un Kag. Et qui lance l'attaque. Ouais. Ah bah là-dessus, là c'est totalement lui qui a l'avantage positionnel. Oh là là, il met des petites agressions. Oh là là. Et il garde vraiment. Et par contre, on sent que Radical il sait pas trop d'IA parce qu'il fait des grosses IA, full-in. Du coup, Blob il tape. C'est que t'as peur aussi quand t'as un SK qui a des coups de pelle là devant le bord. Ah bah t'as. Le dare de SK est terrifiant offstage. Après, c'est Kragan. Ok, le 2B qui va pas. Qui va pas réussir à très bien le link. Ok, et deux upper qui prendront la stock. Bah putain, Blob, il est solide, hein. Blob, il est énervé. Ouais. C'est bien, moi j'aime bien voir des SK énervés. Ah bah alors là. Toujours plus de SK, hein. J'ai dit, c'était quoi ce move qu'il vient de faire? En fait, non, c'est pas si là, il lâche un item neutral. Ouais, c'est juste que l'item a été pété, je crois. Ok, ah ok, le souci c'est que en fait l'item on le voit pas trop à cause du fond noir. Ok, ah par contre il est très haut. Oh là là, oh là, mais putain, mais Blob. Mais c'est combo, Blob. Blob il est fif. Ah la mauvaise vieille. Blob a pas eu la première stock malgré tout le flash qu'il nous a offert. Ouais, par contre vraiment niveau combo, waouh. C'est vraiment énervé. Niveau le F-Strong, ouh, ça prendra la stock. Et ça prend la dynamo. Alors, si tu peux me rappeler la dynamo, c'est quoi déjà? La dynamo mile, en fait, quand tu fais un dare et que tu touches le dare, tu peux faire un strong aérien. D'accord. Voilà, par contre, si tu fais toucher alors que tu as le petit buff, tu perds le buff. D'accord. Et bah, à voir, en vrai, ça peut être très intéressant en vrai face à Krag sur l'offstage. Ça peut être très rigolo, faire un truc très flashy. Ouais, bah, visiblement, Blob, c'est ce qu'il nous montre, hein. Vraiment, Blob, il nous montre. Un très très bon combo game et une gestion de l'avantage, il le garde mais 15 000 ans son avantage, hein. Voilà, what? Alors il y a une interaction très bizarre avec le... Avec le pneu? Avec le Tralvi. Moi j'ai pas vu, je le vois pas le pneu, clairement il... Quel okay, F-Tron, le caillou qui est lancé, Upstrong, ouais bon, ah, bon mauvaise IA de... Ouais, bah après mauvaise IA aussi Blob. Oui, aussi, en partie, hein. Après ça le... Lance fait pari caillou, ça tue. Ouais, premier game. Ouais, là-dessus, Blob a vraiment été très impérial en gardant des phases d'avantage très très longues. Clairement, Blob il était très fâché. Ouais, et Radical qui va sortir un Zetter. Étonnant parce que, étant moi-même un Zetter, le match-up il est pas fun. C'est pas un match-up positif. Et on part sur Fire Capital. Du coup, plus basé sur la... Peut-être il veut peut-être survivre plus longtemps. Parce que bon, Fire Capital, c'est la map. Tu veux survivre longtemps? Joue sur Fire Capital. La map est... Bah, la map est titane. Clairement, c'est une map de 2v2, tu vois, alors que... deux personnes qui se battent. Avec des blast zones énormes. Les blast zones sont aussi très très grandes. Très très grandes. Nous pouvons citer Shade de la dernière Avertrove. Grosse map de merde. Ok, Blob qui a l'avantage, Nair 1, Nair 2. Ok, ouh, ouais. Attention, ouais, alors par contre, ça c'est un truc très chiant. Ah, il a pas! Non, il a pas wall jump! Radical! Non!
c'est très très vexant quand un SK fait ça, moi j'ai... Ok... Le mec il part pêcher. Merde. Ok, oh, ouais. Faut pas dire in, faut pas dire in SK, pas offstage. Ouais, SK il peut vraiment avoir des combos ultra extend offstage, hip blob, blob. Qui totalement réussi à abuser des erreurs de son adversaire. Ah bah non, on est sur Fire Rapidal, du coup ça tue pas encore, surtout que SK c'est un semi-lourd. Oui, et c'est acteur ici, comme Sylvanos. Oui, 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 c'est vrai, c'est... Il fait le même poids que Sylvanos ? Ouais, c'est du 105 de poids. Ah ouais, ah oui, d'accord, ok, ouais, donc SK qui est vraiment lourd. Ouais, c'est un heavy, c'est un heavy, c'est un heavy. Ok, ah, dommage, il fera pas le Bear of Strong. Prendre le kill. Le souci, c'est qu'à ces pourcentages là, faut toucher les setups. Et si tu touches pas ouais. les setups, ok, voilà, c'est bon. Voilà, Gatling, voilà. Heureusement que Blob n'a pas de Yayout. Parce qu'en vrai, je pense que sur Yayout, ça marche peut-être pas. Pas sûr. Plus la vitesse à laquelle elle sort, c'est saleté. Ouais, c'est ça. Ok, attention. Oula, c'est un peu. Ok, okay bien vu de la part de Radical. Ok, là, c'est tendu. Oh, l'agression. Oh, la mystère. Ok, dash attack, der. Hop, strong, pourquoi pas. Ah, ok, ça extend. Ça fait juste un full up, dommage. Ouh, le gros F strong qui prendra la sorte. Et Blob. Blob. Radical, et il est resté, il est cuit à feu doux. Ouais, il est vrai. Là-dessus, il a vraiment pas. Il a vraiment pris un gros ascendant sur Radical. Très, très bien. Qui va encore switch. Il va switch sur son Rano. Cette fois, il va switch sur son Rano. Allez, cette fois, c'est la bonne, qu'est-ce... Radical. C'est ça, cette fois, c'est la bonne. Je sais pas lequel gagne le match-up. Bonne question. Non, c'est sur Spirit Tree. C'est sur Spirit Tree. Les morts vers le haut, elles vont être vénères. Ouais, les morts vers le haut vont être vénères. Je pense honnêtement que le match-up doit pas être... Les deux persos ont des phases terrifiantes. Et que, à quel point tu gardes ta phase longtemps et à quel point tu la fais rendre worse. En parlant de phase terrifiante, Blob. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, tâche attack. Derrière, hop. Attention, ok, les rolls. Ouais, par contre, Radical, il a parfois un peu trop tendance à attaquer, j'ai l'impression. Ok, bien vu, la ledge guard. Ok, le nerf. Ok, par contre, c'est vrai que s'il a pas des bons setups de combo. Ah, la Mosia est radicale, non! S'il a pas les bons setups, c'est compliqué de venir chercher SK. C'est faux. SK a tellement de possibilités de mouvement pour revenir sur le terrain. Ok, nerf. Et faut pas taper, Radical! Fais gaffe! Parce qu'à chaque fois qu'il roll ou qu'il arrive à reverse le positionnement, il tape. Et il se fait piquer là-dessus! Ouais, ouais, clairement, c'est compliqué, hein. Oh, ah, non, allez, allez, Yayin. Alors, j'adore comme il est, il a delay ses fers à chaque fois. Oh, il a fait le truc que j'aime voir. Il a fait le truc que j'aime bien. Attendez, bah, bien Yayin de la part de Radical. Ouais. Ok, le nerf. Ah, pas de fer, dommage. C'est un peu fifou ce qui se passe par ici. Ouh, le strong. Ah, la aussi, Yayin. Ah, c'est compliqué, hein, Radical. Oh, ouais, Radical, par contre, qui fonce et. Là maintenant. J'ai l'impression qu'il a pas du tout de patience. Ok, ouais, là, clairement, il a l'air fâché, Radical. Là, il veut en finir, il veut vraiment réussir à aider cette SK. Attention. Donc, ok, bien vu le pari. Très bonne pari, ouais. Pourquoi c'est pile quand on dit ça que maintenant il devient beaucoup plus patient et. Et plus clean. Il s'est repris, c'est bien. Ouais, bonne parie encore. Tu as ok, c'est le. C'est une curse que j'ai bien aimé. Ber, ok. Il a tenté de faire le super jump de Rano. Ouais. Ouais, tenter de faire un bon truc. Ça aurait pu faire un bon truc. Mais ça aurait pu faire, mais. Peut-être un peu. Pas forcément au meilleur moment. À vous. Ok. Aïe aïe aïe. Ok, bien. Oh, what? Attends, ça donne des. T'as des frames d'invincibilité ou de. Ouais. What the fuck? Ouais, on dirait bien. Ouais, t'as des frames. Ah, vraiment là-dessus? Ah, ok, bien vu de la part. De Blob qui prendra la game 3. C'était... Oh, mais Blob, mais. Blob, surprise, hein, c'est.
On le connaît pas, il fait bonjour. Regardez comment je combatte bien. Blob, laisse-moi polir ta pelle. Entre Main et Ska. C'était vraiment vraiment très beau. Moi j'ai découvert le Blob Gaming, clairement. Alors merci Maxime ou Akara d'avoir mis les replays. Je vais voir ça, qui c'est qui avait mis. Ah yes. Ouais ok, merci Akara qui nous avait mis ça. Très gentil de ta part. Hop. Hop. Akara qui joue Ori si je me trompe pas. Bah, oui. Hop. Alors. Vite fait. En vrai, je sais pas comment il est le match-up. Il doit être terrifiant en vrai, je dirais le match-up. Quel match-up? Bah, Ori Orkan. Ori Orkan, je ne saurais pas dire. Parce que ça va te faire très très peur. Les deux ont vraiment. En fait, Orkan a des possibilités de kill, mais comme un fou. Ori, si c'est bien joué, ça peut kill assez bien. Et comme les deux ont pas tant d'options défensives. Ah, ça va être un match-up volatile, hein, je pense. Ouais, je pense la même chose. Et après, si Maxime joue SK, par contre, ça sera clairement... Pour moi, c'est à l'avantage de Ori. Ah, ok. Je considère que le match-up est un peu à l'avantage de Ori. Après, c'est peut-être parce que je suis juste nul contre SK, mais... Contre Ori, tu veux dire. Il joue SK tout le set, donc merci à Kara. Donc ouais, Maxime format 42 fièvres. Ouais, bah c'est... Il joue SK pendant le set. Bah, c'est pas étonnant. Clairement... Après, aussi, c'est moins fatigant pour Maxime hein, de jouer SK, ce qui se comprend totalement. Ouais, parce que clairement, c'est... Moi, perso, je déteste ce match-up en tant que joueur de SK. Bah, on va bien voir. Ouais. On va et voir ça. On est parti sur Aetherial Gate. Ok, bien vu la pari de la part de ouais. Akara. Ok, faire. Oula. Avantage pour Maxime, il est fatigué. Ouais, il est un peu fatigué avec ça. Ouais, c'est sûr. Akara, ok, faire. Ok. Akara qui derrière, il essaye de toucher ses moves. Ouais, ça met 90%. Ouais, mais ça prend les 10%. Le et... Ça, pour le troll, c'est un peu dangereux ça. Pour le troll, hein. Maxime, il a repris l'avantage du coup. Ça perd. Et bah Akara, si t'es un nouveau joueur, bienvenue à toi. Oui, aussi, également bienvenue. Oui, je crois que Akara avait dit j'hésite à rentrer dans le tournoi parce que j'ai 30 minutes de jeu. Écoute, let's go. Hein. Ok, bah... On veut voir des newcomers, on veut voir des gens... Oui, c'est ça, en fait, bah... Plus il y a de gens, mieux c'est. C'est ça, et c'est vraiment que le jeu te plaise aussi. Ouais, c'est ça. Et si t'as des questions, le serveur Discord est fait pour ça. C'est ça. Ok, bon, bien vu de la part de Maxime qui va prendre le kill. Un joli dos de con, il y a Maxime 42 fièvres. Il peut rattraper la game, tout comme il peut la perdre. Ok, le der, intéressant. Dash attaque. Ça a bien attendu Maxime, que Maxime recover, atterrisse avec le upbeat, et ça c'est patient. Attention, ouais. Olé. Ok, F-Tron. Olé. Ça tue. Ça tue. Ok, dash attack. Ok, don't hit. Le F-Tron. Ouh, la vieille qui passe. Maxime qui a réagi un peu tard. Maxime, ta fièvre, calme ta fièvre. Bon, t'as Karin qui est patient et qui observe, hein. Ouais. Déjà, ce qu'il y aurait peut-être... Et sa wave dash déjà et tout, c'est... Ouais, bah c'est... En vrai, c'est vachement cool. Parce que le wave dash, c'est la vie. Il est wave lamp. Ok, upper, ça attend, ça... le dash attack. Ouh, le F-Tron qui est mal vieille. Ouf, ça fait mal. Le F-Tron qui a bien mal prank. Du coup, la momentum armor est sécurisée. Ouais. Du coup, Maxime va devenir extrêmement plus... Mais Maxime dur à tuer. Bon. Bah... La commentateur curse qui vient me pré-shot. Bon bah... First game à Akara. Ouais, first game à Akara, c'est bien. C'est ouais. Et on part sur...
Tree Top. Du coup, une map que j'affectionne particulièrement. Oh, bien vu l'attente avec Sein. Ouais, ça a bien vu. Top Tilt. Sein Boom, là, ça fait toujours plaisir. Ça cherche pas le conflit du côté Akara, hein, C'est un bon point. Non, bah après, ça c'est l'une des grosses forces d'Ori, hein, c'est vraiment. Je me balade autour de toi. Oh tiens, t'as fait une erreur. C'est ça, ouais, c'est un moustique en fait, Ori, hein, ça tourne, ça pop. Ouais, c'est ça. Hein. Du coup, donc ça tourne et ça poke. Hein. Par contre, c'est là que c'est Akara qui vient se faire poke dans petit dog smash. Ouf. Il a tenté le der de sa vie. Ouh, le caillou. Moi j'apprécie hein, les gens couillus comme ça. Ne cessez jamais de faire okay. des... Bien vu de la part de Maxime. Ouais. Maxime 42 CF qui a mis un très bon dans smash. Par contre, sa stock est un peu compromis dans cette situation. Ah, par contre, ah non, Maxime qui a du mal avec les copains. Ok, F3. Oh, ça a bonk hein. Ça a bonk hein. Ok. Plus en que ça bonk, c'est que c'est bonk. Exactement. Ok, le F-Strong, Maxime qui est offstage. Le DR, tech de la part de Maxime. Dash attack. Jab 1, jab 2 de tilt. Pair. Dash attack. Gros avantage de la part de Maxime. Oh le ouf, le gars est un peu chaud. Ok, la dash attack. Le gars est hasardeuse. Attends, faut trouver un kill pour Akara. Ouais, faut clairement trouver un kill pour Akara parce que Maxime il veut juste gratter les pourcents. Et peut-être carrément veut gratter la stock. Ok, F smash, ok. Ça prend la momentum. Bon donner. Don't tilt, upper. Ok, Maxime qui attend. Ça. Maxime là il attend pour un confirme et malheureusement il ne le trouvera pas. Il veut son confirme, mais il se fait confirmer le pif. C'est ça. Compliqué la performance pour Maxime. Maxime 42 fièvre, toujours là. C'est gagnant malgré tout. Ça fait un petit. Le don't tilt. J'ai fait une rupture d'anévrisme parce que j'ai vu les sacs disparaître, donc j'ai eu senti mal. C'est terrible. Je suis beaucoup trop vénal en tant qu'Aska. Du coup, bref. Dommage dit de la part de Akara. Ok, petit hilt. Oh putain! Il est temps de ces derrains. Ah, moi j'apprécie. Oh, je comprends, moi ça me rend cardiaque. Chaque derrain off-stage, moi je suis en mode. Continuez, faites ça. Faites les fous, les gens. Par contre, non, il y a une plateforme entre toi et le SK, donc effectivement, ça marche moins bien. Ok, le DER. Maxime qui doit revenir. Ouais, ok, dash attack. Une claque. Ok, faire. Upper. Il attend. Arriver, il attend. Ok, bien pari de la part de Maxime. Don Strong. Ça se regarde dans le blanc des yeux. Un petit hilt. Il a crouch. Il a crouch. Si, il est en mode tu joues passion, ok, mais j'ai arrêté de bouger. Ok, belle roll. Ok, là par contre, il a... Oh, le cancel. Probablement pas fait exprès, mais c'est vachement fort. Ouf. Oh, le F. Maxime qui est revenu un peu vite et... Il s'est pris un gros bonk. Le bonk il était ultime. Exactement, et bah Akara qui gagne la game 2. Ouais, absolument. Un beau boulot. Et cette fois par contre on va partir sur Lyon ou James Vale. Pourquoi j'appelais Lyon ou James Vale? Je sais pas. Demande ça aux Lyonnais comme Bidoufou Just. Alors même si Bidouf ne le sera bientôt plus. Ok. Ok, le bear. Ok, dash attack. Upper. Ok, on sent qu'Akari il est de plus en plus à l'aise. Hein. Ouais, Akari gagne en aise à plusieurs des games, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Oh putain. Il tente la douille, Maxime. C'était quoi ça avec 42 fièvres là, tu fais des bits. Voilà, c'est un hangard ça. Oui. Attention pour avoir 42 fièvres.
Je sais que j'aurais pas dire ça parce qu'on radcastait un truc de tournoi et tout. Mais cette map elle me fume parce que t'as les mecs, il y a une espèce de guérilla sur le toit de leurs voisins, ils sont foutus, ils continuent leur. Ils font leur transport de marchandises, ça leur va très bien. J'imagine bien que le pauvre. J'imagine bien la pauvre grand-mère qui vit dans la maison au milieu là, elle entend des gars se balancer des coups d'encre dans la bouche. Tous les lundis matin là. C'est terrible. Oh très bon. Oh là là là, c'est bien vu de la part de Maxime. Ah c'était hop, voilà, fini. Le plaisir est une courte durée. Exactement. Sauf que là, cette fois, c'est Akira qui a l'avantage du de positionnement. Là, ok, la dash attaque touche. Ok, pas d'upstrong. Attention, ok. Ça sent vraiment que Maxime est fatigué. Hein. Il bourre des strongs et tout. Mais au moins, il y a une constante. Maxime, il joue à ROA. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il soit malade ou pas. Ah ouais, il joue à ROA. Il est là. Un niveau de communication au jeu qui est vraiment admirable. Hein. Ouais. Ok, upper. Ouh, le CDB qui va toucher vraiment sur le dernier frame active. Ok, bear. Ouh, ok. Attention. Wave dash, le F1 qui rate. Le wave dash, USK. Tout cette armure qui est vénère. Ouh, ok, ouais, le son sera mal gay. Qui est extrêmement fâché. Du coup, par contre, il y a une petite remontade de la part de la Akara. De la Akara, ouais, ouais, exactement. Si, Okay. Maxime arrive à pas confirmer la game. Ouh, pour qui est pas bien DI, du coup Maxime a effectivement confirmé la game, merci de me répondre. Exactement. Donc là on est à 2-1 et la prochaine game elle est sur Treetop si je me trompe pas. Exact. Ouais, Treetop, absolument. Donc on est parti sur Treetop pour le même match-up. Kenny. Ok, ça hop, par un air, et ensuite une petite phase d'Akara. Ouais. Le Uri Gaming qui est tout réel. Oui. Allez, ok. Mets des airs. Et derrière, il touche l'Upstrong. Oh, bien vu le F-Strong boosté en plus. Le F-Strong Dyson qui était très très fort. Exactement. Que j'attends. Derrière. Ok, upper. Nair. Derrière de la part de Maxime 42 fièvre. Oups. Oh, il avait juste perdu une vieille pièce, c'était tellement triste. Au revoir, Ori. Non, Ori vivant. Ok, non, Maxime qui arrive à reverse. Quel pari, le F-Strong. Ouh, tain sur la DI. Il a plus de saut. Oh, ah. Ouais, c'est ça, le fameux spike avec le don't tilt. Le don't tilt. Ah, oh, il me fait rêver, il est tellement rigolo. Ok, tilt. Touche pas, Akari qui attend. Ok, dash attack. F-strong. Oh, oui, ça prendra le kill de la part d'Akara. Est-ce qu'il va réussir à concrétiser ses last stock last chain pour Maxime 42 fièvre? Ça touche, ouais. Upper. Clairement, ça semble pas très très méga bien parti pour Maxime 42 fièvre. Les pourcentages sont quasiment even, Ok, le upper. Ça gratte. Ok, Maxime 42 fièvre qui arrive à revenir. Ok, dash attack. Upper de la part de Akara. C'est compliqué, l'upstrong. Oh, et la mauvaise DI qui prendra la game. Et bah, victoire de Akara. Cette upstrong avec les dragons d'Hyde et donc Akara qui prend le set sur Maxime 42 fièvre. Exactement. C'est quand même, vu qu'il a effectivement 42 fièvre comme j'avais vu dans un chat, clairement, repose-toi, partage. repose-toi, doyen de héros. C'est ça, repose-toi bien, notre super-héros, notre crack. Le crack original, c'est Maxime. Yep, exactement. Ce qui peut faire des folies. Ah, clairement, il en fait des folies. Hein. Et là, je. Très bon boulot de la part d'Akara hein, pour. Oui, pour ah, pas totalement. Et là, on va passer à un match que j'ai très envie de voir qui est Trini Hankoku. Hankoku qui est main. Tout. Il est. Ouais, Ola Under est main random.
Voilà, c'est un main. On le précise. C'est un main random. C'est un main random. Voilà. Donc, alors, Ekuro, je te demanderai. Même s'il n'a pas. Je ne sais pas si t'as joué random, Oli, mais. Pour le symbolisme, je te demanderai de mettre un point d'interrogation au niveau de son perso. Je l'ai fait. C'est bon. Il est fait. Je suis très curieux de voir quel perso Nkoku va nous sortir. Parce qu'il est vraiment solide, Nkoku. Trini la spoil, mais bon, moi je ne le spoilerai pas. Non, Trini. Ah, moi je regarderai pas non plus. Trop tard, le mal est fait. Ah non, mais j'ai pas le chat. J'ai pas le chat, du coup. J'ai pas tout le temps le chat. Du coup, on est parti. On est parti sur Lion Krag. Ouais, le Kag Lidl, il est là, il est fantastique. Ah ouais, mais en plus il a un Krag très particulier, puisqu'il a un Krag hyper mobile. Parce que la majorité des Krags adorent leurs spéciaux. Genre, leurs spéciaux, c'est leur vie. Bon, Nkoku, c'est l'inverse. Lui, il adore ses normaux. Ouais, c'est clair que Hollander, il a une énorme qualité avec tous ses persos, c'est qu'il joue. Ouais. Un niveau schmoov là-dessus, ouais. Attention, il a plus d'options. Il a plus d'options. Ok, il arrivera quand même. Il a touché le sol. Oui. Ça, c'est ouais, mais après il a touché le bas de la blazone. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bah ça arrive, hein. Ah, ça arrive. Ok, le bear. Voilà, ça fait un don strong, hein. Ça fait un don B, hein. C'est l'instinct de vieux cag de cac, ça. Ouais, mais ok, oh, bien Trini, vu de la part de Trini, le bait. Don't tilt. Il a gratté pas mal de pourcents. Très bon gros Kodoli. Ok. Mais ouais, on a un autre A en termes de tag. Kara hein. Aussi avait un A. Non, par contre, s'il te plaît, ne réussis pas deux fois, s'il te plaît. Oh là là, Mais Trini, arrête de le garder offstage. Trini, il le garde, mais genre des années offstage. C'est pas ça qu'ils vont jouer contre Krag, hein. Ah oui, bah là-dessus, totalement. Par contre, même offstage, Krag, Keren a galéré à le tuer. Hein. Ok, le nerf qui touche. Le caillou qui touche. Il est dans des cailloux, en fait. S'il touche au sol, donc. On veut pas que Krag puisse lancer des cailloux. On veut pas que Kag puisse taper. Okay, le touche. Sol. Ah, pas de confirme sur ce bear. Dommage. Ouais. Il y avait au moins un père peut-être à faire. Par contre, l'honneur. Ouais. Oh là 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 là, ce movement. Oh là là, c'est Waveland. Ça drague les fans de Waveland. Ah bah alors là. Ah non, mais Akara, là tu peux te régaler les mirettes avec du beau mouvement. Ok, faire. Oh, il a tenté le spike au Don B. Oh, c'est odieux. Très bien, bah très bien drift, ou plus du drift à ce niveau là de la part de Trini, hein, qui est... Trini, le mec solide, hein. C'est la personne solide sur tous les aspects du jeu. Exactement. Passer au tour dans ton vidéo. Ouh, ok, le Don Strong. Ok. Un coucou qui est en difficulté. Écolo, touche. Ça se mange le gros. Ouais, ça se mange, mais par contre, il arrive toujours pas à le renvoyer. Hein. Ah, par contre, ouais, il a plus d'options. Il arrive pas à se renvoyer. Oh, ça a failli mourir. Oh, oh, les lectures. Très, très beau. Ok, ouais, bah ça, le side B qui est insane comme move. Oh là là. Ça va y être un prank, puis après ça fait un prank. Oh, il a putain, wave. Il a Waveland. Ouais, il a Waveland un poil trop loin, et bah du coup, bah ça va pas toucher. C'est un peu triste. Non, il a Waveland un poil trop loin, il a fait. Et bah ça. Ouais, et on part sur. Clairement, le ledge dash était vraiment clean comme il traînait, ouais. Ouais. On part sur Tritop. Tritop. Et quand même assez étonnant. Pas pour Clairon, parce que Hollander il a connu très bien, parce que au moins dans nos sessions on joue très très souvent sur cette map. Oh, ouais, après c'est peut-être possible que ce soit, on va dire, ce soit plus un choix du cœur qu'un choix de MU. Ah, clairement. Oui, à partir du moment où tu connais bien la map et que t'es dessus.
Même bah, si que tu aimes la map aussi. Technique, oui, aussi, bien sûr. Tu peux être à l'aise sur la map et ne pas aimer la map. Bah, moi, je considère. Non, mais en fait, je considère ne pas être à l'aise sur. Quand j'ai considéré être à l'aise sur une map, c'est aimer aller dessus, tu vois. Ah, ok, d'accord. Voilà, parce que après, ouais, évidemment, tu as des facilités sur une map, mais ne pas être vraiment chill dessus parce que t'aimes pas, quoi. Ok, la Trini qui a l'avantage. Ok, des repères. Allez, au coucou. Ah. Ok. Oh. Der Upstrong qui touchera de la part de Trini qui prendra le kill. Ah ouais, c'est vrai que sur cette map, il peut quand même vachement profiter des plates. On soit aussi avec des bons. Oh là là. Oh. Magnifiquement bien vu. Ça fait que les webs blancs. Hein. On veut voir du schmove. Ah ouais, ça schmove. Hein. Clairement ça schmove. Ok. Der. Oh. Oh pff. Ok. Wow. On va y aller un peu en dessous. Ok, les strong. Oh là 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 là. Ouf. Ok, Ner. Ça nous va bien. Allez, ok, faut il a. Par contre, les combos d'un coucou sont très très courts. Bah, c'est du court pour viser d'overextend, non ça tombe. Non, il y a des moments où il peut. Où je pense qu'il peut toucher, ouais, et où il a du mal à toucher. Ok, ça touche, le F-Strong. Et là, il est tout en bas, et c'est risqué. Ok. C'est clairement ce qui se passe, il est en train de se faire un. Il n'y a plus rien. Ok, left tilt. Ok, et fer qui prend un stock. Par contre, à chaque fois, Trini, il l'envoie genre 150-180% pour le tuer. Hein. C'est ouais, vraiment Craig. Et en coucou qui a un très bon jeu de défense. Ah, la mauvaise vieille. Ouais, très bon Don't Smash par The Lander qui est un petit peu qui est parti un peu plus loin exprès pour aller derrière lui. Bah, et pour que ça renvoie dans le. De toute façon, offstage dans ça. Tous les cas, ça aurait été bénéfique pour lui même si ça tuait pas. Ok, le nerf. Ok, up tilt, up air. Ok, le fer. Attention Trini, en coucou il revient. Là, il est chaud, il a l'avantage positionnel. Et il prend la position. Non, avantage pourtant aussi. Par contre, là, c'est commencé à sentir le. Oh, le c'est dangereux. Ça oh là là, Trini. Oh, le petit baby dash. Oh. Ok, le strong. Le fer. Ouh, il a dit. Oh, le drop Q. Et le pied push qui permettra coup, okay, de prendre la game 2. Clairement, le fer de Kai, hein, c'est terrible le move, il est terrible. Cette fois on va passer sur une map qu'on a pas vu beaucoup, qui est Trouble Pound, qui est la map de SK, qui est une très grande map et l'une des meilleures maps de Claren, parce que bah j'adore cette phrase, tout est Sasasai. C'est ça. Si. Alors, oui, alors Akara, oui, quand en fait, quand l'écran devient violet, c'est ce qu'on appelle l'effet galaxie, c'est que tu vas mourir en tous les cas. Tant qu'il n'y a pas l'effet galaxie, tu peux techniquement survivre. Même si c'est une galère de ouf, parce que c'est un spike qu'il faut une tech millimétrée pour y survivre. Si t'es pas galaxie, c'est que tu as toujours un moyen d'y survivre. C'est ça, sachant que c'est DI et drift, parce qu'il y a la mécanique de drift. C'est ça. Et ça. Qui en fonction de ton drift va vraiment changer où tu vas te déplacer. C'est ça, c'est ça. Après le Galaxy. C'est ça, le Galaxy il compte pas. Alors déjà il compte pas les techs. Et il compte pas par exemple le pilier de Krag. Non. Il compte les techs, il compte les techs. Non, il compte pas les techs. Je suis sûr que si tu peux. Oh, genre si quelqu'un te dare, tu te fais Galaxy et que tu tech. Genre et tu peux tech. Le move, En général, je sais pas si t'as déjà remarqué, genre, il y a des moments où tu te prends des spikes de bourrin à 140 près de la plate et ça ne galaxie pas, tu vois, c'est parce que tu peux tech. Ok, d'accord, bon, bon, bon. Par contre, ouais, effectivement, les plateformes temporaires, comme le pilier de Krag, ne sont ignorées par le galaxie. Du coup, oui, bah, en fait, les objets les entités ajoutées par les persos, du coup, Et puis parfois il y a aussi le coup des shrapnels. c'est la galaxie, sauf que t'as tapé les shrapnels du caillou, du coup les shrapnels ont le temps de toucher l'autre, du coup ça cancel le knockback. Parce que c'est les knockback du shrapnel. Ça arrive, c'est parfois. C'est un peu triste parfois.
traîtrise, donc c'est rigolo. C'est mon Rastra qui est déçu de ça, donc... Bref. Ouah, le Dom Strong. Il avait pas peur là en Goku, hein. Olé, et le Upstrong qui tue. Ah non, ce crack comme il chemou, c'est pas possible. Ah bah là, surtout que c'est une map sur laquelle tu peux chemou, hein. Ah, c'est tarbon, il est d'accord. Mais c'est... Ah oui, c'est aussi une chose que... Alors, dites-moi si j'ai de la merde dans le chat. Mais une force aussi de Krag dans le chat, c'est que Krag a un jeu au sol godlike. Le jeu au sol de Krag est genre insane. Et Kairen a aussi un très bon jeu au sol. Sauf que bah, Krag a un meilleur jeu au sol. Du coup, bah... Ça donne aussi un c'est l'une des choses qui donne l'avantage. Ok, le nerf. Encore le nerf. Ok, un coucou. Ah, attention, il y a un air qui a touché. Ouais, ça va pas être très très bien pour les Under. Non, c'est bon, il arrive à revenir sur la map. Ok, l'Upstrong. Ah, le père qui touche pas. Ok, l'Upstrong. Ah, Upstrong. Ok, pourquoi pas. Il a préféré prendre le positionnement plutôt que tenter un combo. Attends, ok, le tilt. Ok, bien attendu de la part de Trini en réaction. Ok, FR, encore un fer. Ouais, qui est vraiment un peu en difficulté, donc il va retrouver le sol. Ouais, je là. Je rappelle que Krag peut poser un pied qu'une seule fois par airtime, même s'il prend des claques ou qu'il wall jump. Sinon, ce serait un peu abusé. Ah non! Ah bah, c'est ballon! Ah bah c'est un si beau beat de... Très ballot ça. Une si belle game qui finit là-dessus. Bah oui. C'est je suis triste. Totalement. Bah c'est Trini qui prendra donc la game 2. Je t'avoue, oh putain. Ça m'a vraiment étonné, et voire même un peu ça. Bon bah tant pis, ça arrive. Hein. Après avoir la connaissance de mental, le niveau mental, les connaissances que qu'a en Coco en tournoi, parce que si je me trompe pas, il a pas fait beaucoup de tournois. Et comme c'est une ambiance très différente en tournoi et freeplay. La game 2, c'était la game combien ? C'était la game 3. Oui, c'était la game 3, du coup là on passe à la game 4. C'est Tile Gate. Mais oui, t'es un grand fan de cette map. Oh, moi je l'aime bien, je le trouve vraiment cool. Tu peux vraiment jouer. Bon, et il y a aussi un moment où vu que les deux places sont rejoints, ouais, et bah tu peux mix up, tu peux vraiment le neutral change de gueule et devient encore plus vénère. Bon, c'est pas Blizzy Guide Out, ce que beaucoup trop de monde déteste et que je suis seul à aimer. Ah bah je suis désolé, mais du monde a un déchu humain en plate drop, en plate boost, en plate et en plate caviar d'aller sur une map qui compose une plateforme, tu vois, mais en milieu, quoi. Ouais. Ok, Nair, F Strong, un coco qui. Bah, qui survit, hein. This is Krag. Krag, hein. Allez. Ok, le bear, ok. Ça, il aura pas vu la tech. F tilt. Donc, ça se touche. Oh, le petit flashback d'One B qui fait. Les ouais, petits mouvements, bah... le petit macro spacing de. Ah, mais il adore les tout petits mouvements. Et en soi, c'est vraiment. Donc c'est super utile pour foutre la pression parce que t'es là, t'es en mode. Ah, j'ai un gros moche, j'ai un crack devant moi qui fait que de bouger. Et le plat. Le. Non, c'est pas un plat de boost, c'est. Merde, c'est un moonwall qui permet de. Avec un plat de drop qui permet d'aller encore plus loin qu'un plat de drop normal. Parce que c'est stylé. Ouais, ok, le nerf. Ouf, et le upstrong. Une petite pensée à toutes les fois où Lander m'a rabâché les oreilles. Bah, il faut que tu fasses plus de wavelength, plus de place boost. Il faut que tu fasses ça, c'est important. Ah, en vrai, c'est trop bien. En vrai, c'est ça prend du temps à apprendre. J'avoue, moi, je crois que ça doit prendre 3 et 5 mois de mémoire. D'un côté, j'ai moi. Moi, je fais des wave dash. Bah, en fait, ce qui est kiffant avec le wavelength, c'est que t'obtiens un niveau de contrôle sur ton perso. Ouais, ouais. Ça augmente le combo, le neutral, plein de trucs, c'est kiffant, voilà, c'est bon. Clairement, c'est un truc bon. Qui si après moi tu me dis de faire des plats de boue, c'est ça, moi je sais que ma force c'est... Le truc que je sais faire le mieux c'est les mouvements, du coup... Yes, moi c'est vraiment un de mes pires points, les mouvements, mais par contre c'est ça, vous avez tout un stage où vous bagarrez sur un pilier,
une enfant. Bah ouais, sauf que l'avantage c'est que s'il y a une erreur, Trini peut revenir. Par contre, s'il y a une erreur d'un coucou, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de revenir. Mais oui. Du coup, si ça gagne ou. On va dire le risk reward est vachement bien pour Trini. Ouais. Oh, ce up tilt titanesque. Trini qui est en retard. Hein. Ouais, exactement. Hein. Là, là belle adaptation. En 50% avant d'être en danger. Hein, ouais, ok. Ok, upper, ça tipe pas. Si ça tipe pas, ça tue pas. Mais non, non, coucou, non. Ok. Tu étais les. Bref. Nous pouvons encore voir. Ouais. Il y a encore une chance que Under gagne la game. Okay, rien n'est perdu, c'est game de joueur. Ok, c'est compliqué pour Antoku. Oh oui, bien vu. Oh, très très bon drift. Oh la ride. Oh putain. Le père. Mais putain. Ah, oh, ok, oh, belle roll de la part de Trini. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est fou. Oh, cette game. Qui est très dangereux. Il faut, revenir pour un coucou, il a plus de piliers. Non. Ok, il a tout seul, je crois. Ça sera un cheer pour un crag. C'est terrible. Un crag qui me hype. Oh là là, cette sauce, vraiment ce mouvement là. Oh là là. Ok, je sais pas, le Don Strong. Ok, la DI. Ok, le pilier, il attend. Ouais. Oh, on a Trini qui dash dance. Oh, Trini qui fout la pression. Le conditionnement de Trini à force de venir. Le fait d'Agen s'il a tellement attendu. Ok, j'ai eu un peu peur pour Trini qui meurt. Mais magnifique conditionnement de Trini à la fin. Genre vraiment, il est tellement allé sur Nkoku qu'à la fin il a d'Agen et Nkoku était sûr qu'il. Dans la tête d'Nkoku il allait y venir, mais en fait non. En fait, il savait à chaque fois pendant tout le set, Trini il venait aller goumer au Lander sur le pilier. Et là non, en fait, Il a fait son petit dash gen, ça, il tournait un peu sur place. Genre là, c'était vraiment. Trini utilise onde folie, c'est super efficace, Lander est confus. Into, c'est ciao, absolument. Ouais. Oh là là, c'était un glorieux de la part des deux joueurs. Oh là, c'était beau, c'était très beau comme spectacle. Alors, là en match, soit on peut aller loser round 3 et faire tout le reste, soit on peut aussi faire un coucou à Karawa. Moi je veux plus de Leander. Tu veux voir plus de Leander? Ah ouais, clairement, moi je veux plus voir. D'accord, il veut voir plus de Leander, du coup ce sera. Première fois que je te casse mon pote Leander, s'il vous plaît, essayez-moi du contenu. à bouler, en plus de Leander, mais les replays, tu vois. Là, puis ouais, bah. Oléander, il est encore plus merveilleux parce qu'il met les replays, tu vois. Plus sympa. Par contre, oui. Par contre, Dragoo, il n'y a pas les replays. Quoi? Non, j'imagine bien. Par contre, Dragoo, il n'y a pas les replays Ce serait dramatique. Alors, c'est loser round 2. Alors oui, par contre, si vous voulez qu'on caste d'une... Vu qu'on est, on va dire, en... Vu que c'est un petit tournoi, qu'on a du temps, qu'il n'y a pas grand monde, si Akira ou Nkoku, vous voulez qu'on caste de manière peut-être un peu plus analytique, ou n'importe qui d'autre dans les matchs, n'hésitez pas à le dire. Hein, Kuro, je me dirais non, je dis honnêtement. Oui, on peut venir à faire du cast à l'analytique. Je te laisserai cast analytique et à côté moi je continuerai à shitpost. Oui oui, mais t'en fais pas. Mais toi tu vas me dire de la merde. Non mais c'est juste parfois en fait c'est juste que dire c'est l'avantage d'une toute petite commu oui. C'est que parfois si on peut faire après ça dépend ce que je préfère. Tu vois le lol cast comme ça me va très bien. C'est l'idée c'est pour les gens qui veulent improve ou si c'est plus vu qu'on n'est pas beaucoup. Ce que j'aime bien faire perso, c'est genre avant le set, on peut un petit peu et entre deux games, on peut un peu discuter à ce que comment ça se passe. Oh, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Donc, ça, on peut faire ça. Ah oui, bah, de toute façon,
Si je demande et que personne me répond, je coûte ça que c'est non. Ouais, hein. Hollander a dit caster comme vous préférez. Donc. Ok, bon, on va, je t'avoue, on va y aller comme on sent et puis on verra bien. Moi, je shitpost pendant les games, on discute tag. C'est toujours moyen de faire des trucs très sympatoches. Et oh oui! On va voir le Zetter, on va voir du Zetter, moi ça me rend heureux. Le Zetter drip de Hollander me terrifie, mais c'est un Zetter qui est très très. Bah, toi, Etarian, pour le Zetter. Ah, je sais qu'elle est techniquement pas justifiée, mais. Akara qui met un très bon départ. Oh, les autres jouent random. Ah, tu jouais random. Ah, ok. Dans ce set, il joue random, let's go. Wow, ouais, là par contre, c'est du Zetter. Et Zetter, une fois qu'il a pris l'avantage, il t'oppresse le cul, il t'étouffe. Et il te goum. Akara qui est perdu. Bah, Kara, si c'est les premières fois qu'il joue face à des gens qui se déplacent très bien, t'es là et tu te fais tellement vite impressionner et tu ne comprends rien à ta vie. Ça fait pas ce que tu fais là, il fait les cheveux. Je vois littéralement une. C'est le même effet qu'une mouche qui se pose pour mettre un upstrong, tu vois, et ensuite c'est refait partout. C'est terrible. Mon cerveau il arrive pas à processer tout ça. Vraiment, je trouve trop utile le Lander, c'est lame. Ok. Ok, dash attack de Akarawa. Oh, la non-tech. Option de tech qui a complètement mangé la stock. Du coup, le bourdon qui met un fer, donc. Mais après, en Goku, c'est. De toute façon, ça dépend. C'est un peu. L'inconstance, c'est normal, on va dire. C'est fou. Ça se travaille. Surtout quand tu sors déjà d'un set avec Kag, je vais te refaire un Zetter Burn. Bah ouais, c'est vrai que là-dessus le gameplay. Ouais, par contre, un truc très intéressant, c'est que Akara utilise déjà Sein avec Ori. C'est vraiment fou parce que beaucoup de débutants d'Ori utilisent que les normaux. Ouais, c'est. Surtout que le Sein, c'est une mécanique assez particulière. Ouais, oh les bonnes techs. Oh, deux fois bonne tech. Très bonne tech et le Galaxy par contre. Ah bah il en a pas profité. Je sais pas s'il est resté des options Goku. Par contre Arakawa il touche pas beaucoup de moves mais. Ouais. Mais comme comme il se fait un peu avoir sur. Comme il arrive quand même à avoir le jeu défensif de Goku, bah ça passe. Ah ok. Stock, très oh bon putain la DA. Très bonne guide de la part de Akarawa. Par contre, on a très gros désavantage. Ah, ça met le nez en le feu. Du coup, ça se fait complètement manger par le F-Strong boosté. Je vais sur le F-Strong, il a envie de me terrifier. D'accord, je viens d'apprendre que. Ok, non, mais on en apprend tous les jours. Hein. Trini un jour était Mainori. Ah, oui, au début, Ori. Je savais pas. Et où je m'en souviens plus. Oh bah, c'est une torture, après, ouais, Wind Hunt Goku, hein. J'ai cligné des yeux et. Bah, j'ai regardé, puis j'ai vu après un gros fer qui était mal DI, et j'ai fait ah, bon. Mal DI le fer, c'est le pire truc qu'il faut. Du coup, A emporte la game face à A. J'ai plus jamais ça, c'était. Le random qui dit Hollander de. Le Ditto, c'est pas si mal. Ouais! Le Ditto qui est, si je me trompe pas, détesté par les joueurs de Ori. Alors, cette alt est très spécifique. Parce que, bah, c'est pas forcément. Le Ditto est assez volatile, est très volatile si je me trompe pas. Et le neutral est très, très particulier. Ouais. Du coup, bah. J'ai cette impression de c'est pas le meilleur joueur qui gagne si je me trompe pas. Quelqu'un a ce Ditto d'explosif, lui, Trini. Ouais, c'est vraiment ça. Bah, c'est volatile, hein. C'est clair qu'en fait, genre regarder un Ditto Ori, tu vois, c'est comme, regarder deux gars jouer des maracas avec la nitroglycérine, tu vois, c'est plus ou moins le même genre de truc. Il y a un des deux, il va exploser à un moment, on comprend pas, bah voilà. Ouais, totalement. Par contre, c'est plus compliqué de savoir lequel est lequel parce qu'ils ont quasiment la même couleur. Il y en a un, c'est né blanc, l'autre c'est né orange. Alors voilà. Moi, je vois noir et gris. Oui, je parle Sein. Ah oui, Sein, oui. Oula.
J'ai pas fait gaffe. Ils sont différenciables en vrai, ils sont différenciables, oui, ça va. Ils sont différenciables. Ok. L'amour des DR de AK. Ouais. Oh. Le Kara qui est une mauvaise posture, mais voilà. Ouais, ouais, c'est compliqué. Bah, surtout qu'en fait, la Ori peut exploiter l'haricot d'Ori. Oui. Mais le pire, très très bien en plus. Ouais. Ouf, nous restons. Petit botage de fesses, Hollander qui flex ses mouvements pour ses. Mais là, je sais plus, mais en fait, tu fais beaucoup de waveland et tout bordel entre deux stocks parce que ça te réchauffe les. Ça te. Mélania commun, si je me trompe pas, ça te. Ouais, c'est de l'échauffement. En vrai. Ça te permet de garder un certain momentum en fait. Ouais. Genre. En fait, ça pas un certain momentum, mais un certain rythme dans l'appui des touches. Ouais. C'est ça. Et c'est important. Waouh. Alors, ouais, j'ai un petit texte qui s'est fait 3 stocks. Ça fait un peu mal. Ouais. Oh putain, ouais. Hollander a 3 stocks. Bah, qu'est-ce assez vénère de la part de Hollander. Je te l'avais dit, Kuro. Un mirror match de Ori. C'est littéralement deux mecs qui jouent au maracas avec l'hydroglycérine au bout d'un moment. Ah ouais, ça explose. Il y a un des deux, il pète. Tu dis, oh putain. Et pour finir. Merde. Et pour finir, le random pour... a dit hey, ton set avec Kag était pas mal. Tu vois. Ouais, c'est ça. Y'a pas assez de Kag dans le tournoi, du coup, bah. Oh, ouais, tiens. Écoute-toi. Par contre, c'est très étrange comme on l'a. Ouais, bah c'était. Il paraît que ça va être très rapide. Mm. Les maracas à une trouille de souris, Clérine. Allez. Wilder. Ah, celui-là, j'ai ressenti rien en tout. Ouais, par contre, c'est. Ouais, faut faire gaffe au. Oh, pfff. Oh, ouais. Eh, alors. Alors, pour DI, pour DI, le fer de Krayl, c'est DI in, drift out. Parce que sinon, il peut te faire ou ce genre de. T'as gris. Ah! À tes souhaits! Ah! Bon bah. Ah ouais! Ah bah, oh, coco, vénère, hein, c'est. Ouais, là c'est vraiment, il t'accache sur les DI. Surtout que Krayl. Déjà, j'ai envie de dire GG, mais en fait, est-ce que tu peux arrêter de faire selon le traitement aux nouveaux joueurs? Non, parce que j'ai pas envie que ça les fasse fuir. On va des joueurs. Les joueurs, les fait pas c'est fuir. Ça, Je sais que tu es un Terminator, Hollander, mais calme-toi. C'est calme-toi. Et... Je sais que ton crack c'est un trébuchet, mais c'est pas la peine de lapider. Mais pourquoi tu décides d'avoir joué random? C'est ton main random. Tu décides pas de jouer ton main. Mais oui. Non, mais en vrai, c'est cool, Akara Roi, ouais. D'être venu en vrai. Et puis, ouais, il y a deux trucs que j'ai vus. Spam pas trop les DR parce que c'est putain de laggy. Ouais, le DR est un peu trop laggy. Donc, on va peut-être faire attention à venir avec les DR. Waveland. Une fois que si tu sais Waveland, tu vas voir, ouais. Ça va pouvoir extendre plus tes combos. Travaille déjà bien les Wave Dash. Et ensuite, Wave Dash et Waveland. Les Waveland, c'est quand tu fais, enfin, pour expliquer vite fait, si mais tu sais pas, c'est quand tu fais une air dodge à la hauteur d'une plate vers cette plate, ton perso va wave dash à l'atterrissage et ça permet de faire des moves sol très rapidement et c'est très 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 cool. Et le upper, c'est ton crack avec Ori. Mais clairement, pour quelqu'un qui a dit n'avoir joué que genre 30 minutes au jeu, j'avoue, il y a déjà de très bonnes bases. Ouais, vraiment ultra clean les bases. Donc, j'espère te revoir régulièrement au RDE. 30 heures, my bad. Bah ouais, mais même. Ça reste très. Genre le jeu est putain de compliqué, hein, on va pas se mentir, le jeu c'est. Je suis à 1000 heures, je ne bats pas Trini. Voilà. Je suis à 550 heures, je ne bats personne. Non, dis pas ça quand même. Du coup, on va cette fois, on va avoir du blob. Du blob en coco. Hollander, let's go. Yeah, bah, tu vas le voir, Hollander. Juste que je remette plusieurs. Ah, bah, je suis content, j'ai mon contenu. Hein. 3. Voilà. Hop.
Du coup, Best of Files, Loser Round 3, RDE 39. Là-dessus, tout est bon. Est-ce que j'ai mis les replays? Je suis pas sûr. Ah oui, non, je crois pas que je les ai mis, les replays. Non, hop les replays. C'est les bon. Le replay. Je suis perdu dans mes fenêtres. We go, et on va partir sur Azuriel Gates. On va voir ce que ça donne. Et Antkoku qui sort son Krag Lidl. Ouais, ça sort le Lidl Krag. Ça prend utiliser ça. Pour moi, les pourcents sont extrêmement even. Dans son... Pardon, le Don B, tu t'es cul quoi? C'est quoi ce move de... Je t'avoue, j'ai pas regardé, je regardais le chat. Clairement, le Don B est en train de disparaître et Blob s'est pris. Voilà. Ok, étrange. Ok, bien vu, là les positionnements de Antkoku. Ok, les ouais, nerfs. Ah, tu vois, genre là, il arrive pas du tout à follow up les nerfs. Hein. Ouais. Quand je te disais que parfois il y avait du mal sur les combos, c'est ce genre de choses. Parce que c'est weird à affronter. Ouais, elle a bien vu le bear up smash. Parce que le bear, soit tu le gagnes d'une certaine façon, tu te prends le fer, soit tu te prends le strong. Et oh, dommage, le der était raté, mais par contre, ça doit être ultra vénère pour Krag ce der. Ok, oh, ok, le upper qui va pas totalement connecté. Oh, il dure 3 ans ce der. Oh, c'est fantastique. Ok, par contre, j'ai mon bloc qui a toujours la même routine pour d'achat. Ouais. Oui, mais en général, les SK ils ont leurs items préférés à eux. Hein. Oui, oui, oui. Alors, clairement, bon, moi, tu me verras jamais ne pas prendre la momentum slash l'armure gold et ne jamais prendre le neutral. La gold, la meilleure armor, bien sûr. Ok. Ah, mais clairement, bon, moi, je ne prends jamais de neutral B et si je veux prendre une vraie armure, c'est la momentum. Par exemple, on prendra jamais la dynamo parce que j'aime pas les dynamo. Ah bah... Chaque SK a sa préférence, tu vois. Mm. Ce qui me trompe pas, genre, Maxi, il prend d'abord momentum et ensuite il prend la. La trompette là? Ouais, il prend. Ah ouais, il adore la trompette, Maxime. Ok, bien pari de la part de Antkoku. Malheureusement, Blob qui arrivera à garder l'avantage. Ok, attente de Blob. Ok, bien vu. Dash attack, der. Le der. Cette fois, c'est pas le der qui spike, c'est celui qui envoie loin. Ok, 3 der. Différent. Très belle situation du rouage de la part de Blob. Hein. Mmh. Ah oui, ça c'est. Ça c'est sûr. C'est intéressant, non mais c'est drôle parce que tous les SK qu'on a, ils sont tous différents. Il y en a un qui joue sans item. Il y en a un, il joue avec le rouage et la dynamo. Il y a toi qui fais des dingueries parfois, de read. Et il y a... Putain, Blob. Non, moi, je suis débile. Je suis le con, aller off stage, c'est tout. Mais ouais, très... Et t'as Maxime avec sa trompette. Brutalité avec de la part de Blob. Bah ouais, là-dessus, Blob... Vénère, hein. Alors, clairement, ouais, incroyable son SK. Putain, tu m'ôtes les mots de la bouche. Alors, on va partir sur la game 2, sur Tower of Heaven, et on va rester constamment sur le Krag. Ouais, ça sort le Krag, hein, vraiment, le Krag, ouais. Il est ultime. Ok, bien vu le nerd. Faire. Oh là là, le nerd. Oh, ah le. Oh. Le dashback de Blob était très intelligent pour catch si vous voulez roll ou autre chose. Ok, mais Blob il ferme. Tu ne t'approches pas de Blob. Il dit non, moi je ferme cet espace. Mais Blob, les gestes barrières ils sont réels, hein. C'est lui qui les a écrits, hein, les barrières pour lui, hein, évidemment. Ok, le nerf, le upstrong, ouh, ça prend dans la stock. Et c'est compliqué pour Antkoku, hein. S'il se fait tôt, il a pas du tout le momentum. C'est Blob qui l'a, et Blob, une fois qu'il a le momentum, il est terrifiant. Oh, la bonne initiation du rouage, hein. Le rouage. Attention. Première Sarico. Et ensuite, okay. Il a lancé une roue avant de recover. Donc, Hollander, il s'est pris la roue à un tronche et il a commencé à être perché dessus. Et pour l'instant, Blob a pu recover peinard. Ouh, Léandre qui a tenté la hard read.
Ok, le Don Strong. Ouh, c'est pas très bien. DI, attention. Ok, pas de fer de la part d'un coucou. Ok, le caillou. Le caillou qui est sorti. Je sais pas si ce match-up il est très bon pour Krag. Je me pose la question. Je pense pas qu'il doit être si bon que ça. Le match-up. Pour le match-up, je crois que c'est. Normalement, c'est à l'avantage SK. Ouais, c'est pas ce que je me disais. Ok. Le F-Strong. Ok, et il achète sa dynamo. Il est dégueulasse mon Krag, mais il joue. Ça va. Ça arrive, après ça dépend comment t'étais en termes de mindset, hein, Coco. Hein. C'est. Ça dépend. Puis c'est normal, elle fait comme ça. Hein. Oh, mais ton Krag est très très cool. Ouf, laisse-moi. Oh là 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 là, c'est micro spacing. Attention. Ok. Oh, bien vu, le F-Tilt 1 into F-Strong de la part de Blob. Là, c'est compliqué pour Nkoku. Ok, le fer. Ça commence à toucher les pieds-bouches. Ouais. Et Blob qui rend une mauvaise situation. Il était de la retourner. Il était de la situation. Non, oui, non, oui, non, oui, non. Mm. Oui, après, non, oui. En vrai, la dynamo, ça doit être trop bien pour tuer plus vite Krag. Ouais, clairement. C'est... Ouf. Allez, par contre, toi aussi, tu vite. Ah bah, c'est Krag, il te pète la gueule, Krag. Clairement. Ok. Ok, le der, la dynamo qui est actif. Attention. Ok. Blob qui a tenté un mix-up, mais qui est pas passé. Ah gros, ça attaque. Ok, der. Enfin, c'est compliqué. Faut qu'il trouve une phase, un coucou. Ok, dash attack, down tilt. Ok. Oh ce ah, belle air dodge de la part de Blob. Ah, ok, c'est le mauvais strong de la part de Blob, par contre. Ouais. Qui est un peu dans la merde, pour être honnête. Ouais, ouais, il. Un coucou. Ouais, ça, un coucou le momentum. Et il est en train de l'utiliser. Oh là là, mais. Est-ce que les Upstrong sont ton amour, un coucou? T'es tellement tendu, tellement tu l'utilises. Ah, se voit, et il les touche, hein, ces Upstrong. Ah, il les touche? Ah, mais. Il en utilise beaucoup aussi. Du coup, on va passer à la game 3. Qui est sur. Rockwall. Rockwall. Ça m'étonne. Parce que c'est la map de Krag par excellence. Mais bon, pourquoi pas, hein. On sur les côtés, hein, Lander, mais... Oui, bah... Ok, ah, après, tu peux avoir un edgeguard plus terrifiant parce que forcément, tu es sur Rockwall. Donc tu sais que si tu die out, tu n'as pas le droit de die out. C'est ça. Et quand tu t'appelles... Et quand tu joues contre SK... Déjà, t'as peur de die out contre SK quand t'es offstage, mais encore plus die out parce que t'es sur Rockwall. SK il est free, hein. Il est oh le nerf, le... attention! Ouais, 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 ouais. What? Mais c'est passé quoi? Attends, me dis pas qu'il a bear. Me dis pas que Nkoku a fast full bear. Je crois qu'il a. Il y a un die down! Crack privilège. Oh là là. Il a clairement crack privilège, c'était odieux. Ouais, ok, d'accord. C'est bien ce que je me disais. Map de confort de. Map du cœur pour Blob. C'est à moi qui l'aime bien, ma base. Ouf. Oh, les SK sont vraiment posés. Oh, ce F-Strong là. Oh là là. Ah putain, mais par contre, c'est un Goku là qui mène, hein. C'est. Ok, le nerf. Ok, le deuxième père qui touchera pas. Ok, nerf. Non. D'ailleurs, pas à follow. Bonne agression de Bob. Très très belle agression. Oh lolo. De Bob. Oh là là, excellente phase de Bob. C'est Blob. Bob. Ça arrive. C'est comme moi qui arrive pas à prononcer à Akarora. Ouais. Oh là là. Ok, attention. Ok. Un coucou qui a l'avantage. Ouh, le F-Strong. Ok. J'ai eu peur sur cette DI que ça tue. Ouais, pareil. Allez, ouais, par contre, sur une autre mauvaise DI, ça tue. La DI était pas parfaite et c'est pas fait. Oh, mais oui, fais-nous des moonwalks, un coucou.
Ok, père. Ok, le deuxième ne touchera pas, parce que sinon ça aurait été la mort. Attention. Ouais, le... ça tentait la grosse ride. Qui passe passer. Non, Blob il s'est analysé. Ah. Ah, les gens qui disent que SK c'est un oh. Oh là là, très très bien vu. Les Upstrong Vanilla de Unkoku qui sont putain impressionnants. Et bah, du coup, on va passer à la game 4. Game 4, en effet. Du coup, bah, belle adaptation. Par contre, c'est impressionnant l'adaptation que t'as, Oleander. Là-dessus, à chaque fois, l'adaptation, elle est bien présente. Ouais, elle est vraiment, vraiment, vraiment au poil. Et on va passer sur Tritop. Ouais, Game 4, Tritop, là, toujours le même match-up. Toujours le même match-up, ça, ça change pas. Probablement pour plus abuser de l'Edge Guard. Parce que Tritop, c'est une map sur laquelle tu tues vers le haut et tu Edge Guard. Et aussi, une fois que t'as la pression, le gars est dans la merde. Oh là 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 là, ce micro spacing, oh là là. Oh mais il ferme l'espace. Ok, dans ce rôle. Le pack il touchera pas. Il était bon, hein. Ouf, bien vu Paris. Ah. Oh, bien vu ça. Ok, le père. Ok, les fers. Aïe. Oh, attention, là, c'est dangereux. Il, oh, là, il est le pied, ouais. Il était trop haut. Ok. Punch. Ouais, bien vu, là, le... Ah. Le pilier m'étonne. Mais, oh là. Oh là là. Le petit saving to wave dash strong. C'est la belle lecture de game. Oula, c'est dangereux ça. J'ai pas regardé moi ça, j'ai pas regardé ça moi. Le caillou. Ah non, ça snipe pas. Voilà. Ouf. Oh, ça c'était bon, c'est... Oh la Blob. Ils font rêver tes petits coups avec SK là. Ok. Oh là 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 là, mais cette gestion! Ouh, là-dessus, mais il ferme l'espace, Blob! Et c'est parti pour la dynamo! Ça touche. Ça sent. Ouf, le caillou qui touche! Ah! Dommage! Oh, très très bon micro spacing de Blob! Oh là là. Et là, c'est. Là, c'est la dernière stock de Don Coucou. C'est le moment pour le 2 de gratter. Non, peut-être le mauvais strong. Mais par contre, la DI de. C'est le Don Strong est vraiment pas simple à. Non, il est très chiant la DI. La DI et Blob clean sur les DI. Hein. Clairement. Allez, par contre, si DI pas ça. J'adore quand il prend un petit temps à chaque fois qu'il clone stock pour aller pour monter sur la plate, il refait son petit moonwalk là. Ouais. Et enchaîner les moonwalk waveland, c'est tellement fou les. Ouh, c'était. Cette mobilité des doigts qu'il a au lander, c'est. Ah ouais, ouais. Ça c'est sûr. Ok. Attention, le fer, bien attendu. Ok, le caillou qui sera pas rentabilisé. Celui-là par contre, il l'est. Ouais, parce qu'il a eu fait très très mal. Oh les, ça a failli monter, shrapnel. Ok, up tilt, there. Attention, le strong. Ouais, le strong qui touche. Upper. Attention, c'est très dangereux pour un coco. Up tilt. Oh là là. Oh, mais là, Blob, il fait peur. Oh. Magnifique. De la part de un coco qui prendra la game. Oh, mais ce set. Pourquoi est-il déjà terminé? Ah, bah, t'en veux plus? Oh mais clairement, mais punaise, pourquoi c'était pas ça la grande finale là? Punaise, j'avais intérêt à tout péter la grande finale là. Et bah, de toute façon, ça va de plus en plus péter parce que là, cette fois, on a du Alba. Et Alba est un malade en termes de... En termes de je veux clip et je veux combo. Il adore ça. Alba, t'es sérieux? C'est facile comme blague ça.
Alors, les replays, que je les chope. Gros bisous Alba. C'est un copain de SO1, donc on l'aime beaucoup encore plus. Yep, donc c'est loser final. Excusez-moi si vous m'entendez bailler. Ouais, ouais. Un peu de fatigue. J'espère que vous n'avez pas entendu trop bailler aussi parce que. Je sais pas, à ce moment-là de la journée, de la soirée plutôt, je suis genre à bailler, mais comme un loir. Je baille comme un chien que t'ennuies. C'est bon, les replays sont là. On va pouvoir passer au game. Allez, ça y est. Et bien sûr, c'est du Clear and Crag. Et on va commencer tout de suite à jouer sur Lyon. Je vais Lyon pour les gens. J'espère que vous allez faire vraiment pour vous que c'est pas Lyon. Parce que bon, c'est Lyon avec les maisons en briquettes là, avec un Hindenburg en fond. Perso, ça me quitterait moyen d'y aller là-bas. Ah, ok. Bon, dommage, la finish de. De Alba qui est ratée. Ok, Leftron. Le B qui va toucher, puis lui permet de revenir. Génère, faire. Ouais. Ok, bien vu de la part d'un co qui évitera le spacing de Alba. Wait. Ouf, il a vraiment attendu au dernier moment. Bien vu. Don't tilt. Stop. Et Kuro, vite, débarrasse-nous de ce set. Quoi? Mais c'est pas la... On a pas vu la meilleure finale, je rappelle. Je suis con. Excusez-moi. Excusez-moi. J'avais totalement zappé qu'on n'avait pas vu la winner finale. My bad, excusez-moi. Je vais y remédier tout de suite. Du coup, bah, c'est Trini, Trini Alba. Désolé, alors, vous allez déjà savoir le résultat. C'est du Ditto Clairen. Hop. Alors, que je chope les replays. Excusez-moi pour le petit souci. Hop. Mais merci de l'avoir rappelé. Pouf. On sent la fatigue qui est présent. Ok, ça c'est les charges. Du coup, du Ditto Clairen. Un match-up que les Clairen ne détestent. Oh, ça va être un régal hein. C'est... Parce que c'est à qui c'est space le mieux. J'ai l'impression de neutral. Je crois que c'est non seulement à qui c'est space le mieux, mais c'est également à celui qui attaque le dernier. Le dernier okay. Bah oui, ça y est, we finish. Ah bah oui, oui, t'as totalement raison. Non, t'arrêtes du coup, tu sais le game. Mais non, mais c'est pas la bonne. Voilà. Allez, on est parti sur Forest Floor entre Alba et Trini. Trini en golden et Alba avec son skin custom. Absolument. Alba gris. Désolé Trini. Désolé pour tous les spectateurs. Bah tu me diras, il doit rester que Trini hein. Vu que Simon et toi on regarde le truc, bon. Ok, on est parti, down tilt. Ok, le left tilt de Alba. Par contre, ouais, Alba, c'est lui qui va probablement le plus foncer, je pense. Attends, quoi? Il y a 12 sons. Excusez-moi. Ok, d'accord, je sais pas pourquoi. My bad, voilà. Cette synchro des 7 billes, c'est des idiots. Et du coup, au moment, Albaris est en avance au niveau des pourcents. Hein. Ouais, totalement. Bah, visiblement, Trini, il arrive pas trop à avoir beaucoup de rewards. Là où. Là où Alba, l'une des choses qu'il veut, c'est du reward sur ses coups. Ah, bah, il a eu la bonne reward, hein. Son grab up smash, paf. Ouais. Qui est le F-Trong. Ah, et le souci, c'est les DI, Alba. Get down. Pas bien. Okay. Olé. Olé, F-tilt, Ner, Fer, F-tilt, F-tilt, Der, oh. Voilà, c'est bon, il y a comme une kill. Ok, bon bah pourquoi pas. Ça, bon bah c'est ça à tout. Hein. C'est. Douleur, énorme douleur, cette deuxième stock.
Alba, c'était quoi cette Alba, ah je bah. Ok, bah, le 7B. Voilà, ça, ça... Ok, Ner. Ok, le père. Ok. Il passe d'Albariz encore. Ouais. Ok, ah ouais, le deuxième ouais. Der qui touche pas. Par contre Alba, ok c'est bon il est encore son saut. Trini qui serait patient, qui récupère okay, à la fin. Ok, left tilt, oh ok le plot boost qui est tenté. Malheureusement, le dernier ne touchera pas. Aïe ah, c'est un peu trop approché. Ça arrive ça. Ok, oh ok. Allez, Trini le beat Leroy hein, qui fait atteindre une planète. Oui. Ok, bien vu le placement d'Alba. Ok, il veut le der, il touchera pas, bon drift. Et le Stronky Galaxy, très, très first bon game de la part de Alba. Mais Albaris avait le café, hein. Ah oui, bon, il a vachement progressé. On va voir comment ça se passera dans un deuxième game, même si... Malheureusement, on sait un peu. Oui, pardon oh. Trini. Toi, t'as des problèmes de replay avec les gens, moi je fais des boulettes. Ouais. Trini, et... merci d'avoir pris cette map, la plus belle map de Rainbow Officer. Je suis extrêmement biaisé. Je connais le nom de base, mais pas le nom de cette variante là. Swampy Estuary. Merci, Dragon, pour sauver. Ok, dans le tilt, et là c'est Alba, ok. Oula, le deuxième der était peut-être un peu trop présomptueux vu que il a tech Trini. Non, pas bien. Désolé, c'est pas intéressé. Oh, pff, oh la ride. C'était ballsy, mais c'était smart. Du ok. Coup, Trini qui a des pourcents de retard, hein, malheureusement. Bah, Alba arrive à imposer son jeu et Trini n'arrive pas à l'arrêter. C'est ça, c'est ça. Parce que bon, voilà, Alba, c'est de l'agressivité. Ça, au final, on a beau dire que le dito, celui qui gagne, celui qui attaque le dernier, ah bah il s'est dit, oh non, je vais mettre tellement, je vais mettre des coups tellement fort que c'est le premier qui va gagner. Ok, le F3, bien dit de la part de Alba. Ouh, bien vu l'attaque, ouais. Bien vu l'attaque de Trini. Très très bonne. Ok, bonne réaction, il continue la phase A. Ouais, par contre, le DR en DSA qui touchera. Et encore un DR. Et le Upstrong bah Alba qui, ouais, qui encore prend la lance. Ouais, il est accusé d'un peu foireux, side B qui tue. Il cherche pas à faire son show, il le laisse mourir du side B. Mm. Ok, c'est le fer, là ça, ok le nerf, le Upstrong, là c'est Trini qui a l'avantage. Upstrong, ah non la DI Alba. Parce que c'est dommage, parce que c'est vraiment là-dessus qu'il arrive à te catch Trini. Hein. Trini commence un peu à comprendre le jeu, j'ai l'impression. Ouais, bah, là par contre, Trini, le jeu. Hein. Ah, bah Trini est aussi très bon en termes d'adaptation. Ouais. Du coup, ok. Le double tech. Très bien réagi de la part de Alba. Mm-hmm. La belle synchro du fer. Ouais, totalement. F-strong, on est au stage, F-tilt. Par contre, Clairen, ça edgeguard super bien, Clairen! Ah oh bah ouais, clairement. Ah, edgeguard, et en particulier, il edge-trap, je trouve. Parce qu'il a la range. Oui. Et bah, du coup, un partout. D'un côté, on a l'adaptation de Trini et de l'autre qui a payé. Du coup, on part sur la prochaine game. On sera Tower of Even. Ok, bah visiblement, ça aime jouer les starters. Ouais. Starters qui sont réels et appréciés. Et oui, la récolte Clairen n'est pas ouf, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est juste qu'elle est tellement particulière à catch que notre niveau, bah, on sait pas trop bien la catch. Ça en fait elle est exploitable mais c'est la recovery la plus particulière à exploiter je trouve dans Rainbow. Voilà oui je punis, mais le problème c'est que vu qu'elle est tellement vaste. Ok, don't tilt qui type, pas de bien revenu de la part de Alba qui conserve
Avantage positionnel, le nerf, ok, ça touchera pas. Kaelan Strong. Up Strong, ah si tu pas. Je pense pas que typé ça tu es. Up Strong. Je sais pas, peut-être non. Ok. Excusez-moi. Ok, Don Tilt. Bien pari, et le side B. Qui prendra le kill. Et bah, je serais curieux que tu vous appreniez à mieux gérer la écoute quand même. Donc, on continue la game. C'est très serré, hein. De vie partout, sauf que là, cette fois, c'est Trinity à l'avantage. Bien la réco de Alba. Ok, fer. Nerf. Dash attack. Ok. Oh, pfff. T'entends la grosse ride. Ok. Bien attendu de la part d'Alba. Malheureusement, la punish ne sera pas là. Bon pari. Ouh, la ride. Ah, le pack il touche pas. Ok, ça compte. Ça continue, ça a du mal à toucher. Mais ouais, le pari. Ok. Oh, bonne vie à Eutrini. Alba a dû voir que comme ça a pas Galaxy. Ouais, par contre là, Alba, oh, faut pas trop tenter les rides. Sinon ça peut se retourner contre toi. Non mais il a pas eu tout le Trini hein, sur cette fois. Bah il a beaucoup essayé de rid Trini hein. Mais là ouais, j'avoue ouais. Que ça se retourne un peu contre lui. Clairement ouais. Ok. Ok le fer 1 into down smash bien tag de la part de Trini. Ok, oula. Festival olé. De Paris. Ouh, dommage. Ça devient un peu spaghetti cette histoire. Ouais, ouais, bah là, Alba, il est tôt, il sait plus visiblement, il... Ouais, c'est il est un peu pris par le rythme. Et Trini, lui, reste calme, posé, calme. Visiblement, et réagit toujours bien. Ouf, pas fou. Olé, ça tue. Mais avec 64% d'écart entre les deux joueurs. Ah, c'est un game de joueurs, il suffit qu'Albari c'est une grosse passe et les pourcents sont rattrapés. Hein. Mm. Oula. C'est Hitbox Land okay. Là pas bien, on voit Hitbox partout, hein, mon garçon. Ok. Bien vu de la part de Alba pour revenir. Allez, Paris Saidi. Même pas, il te regarde mourir. Et victoire de Trini sur la game 3. Oula putain, désolé, un petit coup de fatigue de mon côté. Pareil, un coup de barre. Ok, c'est pour ça que tu commentais oui, pas trop tout à l'heure. Game 3, ouais, c'est game 3, ouais, je suis en train de doucement commencer à piquer du nez. Excusez-moi. Ok, c'est pas grave, on va tout donner. Et cette fois, on part sur Rock Wall pour la quatrième game. À voir ce que ça va donner. Cette RDE là, s'il vous plaît. Et pitié du. Et pitié du dragon. Hop. Ok, le F-Tilt, le nerf. Ça fait 10%, une bonne phase à part d'Alba. Ok. Yeah. Attention, ok, fer, F-Tilt, Dash Attack, fer. Ok, le F-Strong. Ok, bien vu de la part d'Alba pour revenir. F-Tilt de la part de Trini, attention, Dash Attack. Ok, F-Tilt. Ouais, clairement interruption du side B. Alba en détresse, hein. Alba en galère. Ouais, bah il a plus d'options. Il est à poil. Ah, Alba, c'est la galère. Je dois faire des blagues. Du coup, on a un sac et des brises. Ouais, du coup, là, c'est la première sac. Et là, c'est toujours Trini qui a l'avantage. Ok, le fer, le down tilt. Fer. Trini qui part. Tilt. Ah, ok.
petit whiff de d'attaque et des tilts qui ont un peu ennuyé. Ok, strong, mais là ouais, bah là. Là, en fait, Trini garde l'avantage, mais il le garde très longtemps. Et elle va atrocement du mal à en sortir. Ou si ce n'est ne prendre que des phases aussi énervées. Mais là, Trini a tellement de momentum que c'est compliqué pour Alba. Ok. Ouais, ça remet un petit peu. Il laisse pas respirer. Hein. Quel pari et c'est. Ah oh, bah d'accord. Là, c'est le disrespect du F rouge, c'est vrai. Ok. Olé, très très bon. Bien vu, d'accord, faire un strong. Ok, nerf. Ouais, la synchro. Le souci, c'est que la position de Alba, elle était beaucoup plus... Ah non, la DI. Non. Est-ce qu'on peut appeler ça une drague ou DI? Oui, complètement. Les morts à 57, c'est très très douloureux. Je suis totalement d'accord avec toi. Que, non, c'est quoi? Non, je vais faire ma mauvaise foi. Je vais sortir une John pour Albariz. La faute à Rockwool, voilà. Du coup, on part cette fois face à Ankoku. Ankoku Oleander. Oleander versus Alba. C'est ça. Face à Alba. À voir ce que ça va donner. Il aurait deviné que cette se ferait. L'aïe. Faut que j'arrête de très. Allez, on est parti sur Just Veil. Du coup, retour sur Just Veil. Ça sent du coup Oleander. Ok, Ner. Ok, bien, bonne pari de la part de Alba. Faire. Ok, la pari. Ah, le punish karaté, le nerf. Hop, tilt. Faire. Down tilt. Ok, pas de der. Par contre, un B qui permet de gratter 10% et de continuer à gagner l'avantage positionnel. Le nerf. Der. Ok, c'est le kill. La air dodge qui est déjà claqué. Il reste encore son. Ah, ok, bien entendu de la part de Alba. Hop, tilt. Hop, tilt. Ah, ça rate. Ça whiff, ça whiff. Et le cac est. Ok, bien vu l'air dodge de la part de Ankoku. Et leur gros ouais, F-Strong piffé qui prendra le kill. Oh non, le F-Strong il était cru. C'était un beau veille rouge. Il se déguste. Ok, le F-Strong. Qui a l'avantage pour le moment. Bonne pari. Le souci c'est que ça tue pas, c'est Craig. Ouais. Ah, et le nerf qui est malheureusement pas assez bien space. Ok. Ouais, le bas, ok, il veut venir, mais il reste safe. Il veut être sûr de garder. Ah, dommage, le deuxième fer qui aura. Sauf que Ankoku a mal géré Sariko et mourra. Ok, NR. Ok. Ha! La petite couille de la part de Ankoku. Alba ne s'y attendait pas. Il s'est fait avoir. Oh, c'était odieux! Il était odieux ce caillou! En plus, il avait... Alba il s'est fait prompt de ouf! S'il avait une... maintenu l'input, il aurait survécu à ce B2. Mais oui! Il aurait pu grimper! Oh non! Alors, ouais, ça c'est vraiment le genre de douille qui te fait dire non, t'as pas le droit de sauter. Ouais, c'est ça. Et le pire en vrai, c'est que ça m'étonnerait pas que c'est ce super fort sur Krag, hein, si c'est super bien maîtrisé. C'était le vieux but que là, le vieil effet sonore moche là. Attention. Olé, dangereux ça. Olé, dangereux. Ok. Crac, il meurt pas de ça. Pourquoi? Ouais, qui t'arrive, Oleander? Oleander, qui finit filoutri. Olé. Ok, ça tue. Ok. Alba qui a joué la réaction, si tu es pas, il était là pour grab. Bien, si ça purple pas. Mais ça a purple. Du coup, il a tué. Oulala, vieille. Careful. Ouais. Alba, le moindre fail, il est mort. Ouais, exactement. Je rappelle où j'apprends que le F-Strong de Zetterburn, sa Galaxy, le F-Strong de Crack, c'est Galaxy Zetterburn depuis Centre Just Veil à 106. Clairon est un peu moins d'affection. Bien entendu de la part de Alba, le CB en anticipation. Wouh! Magnifique play de la part de Alba qui va Upper Tipper into Upstrong.
assez indécent la quantité de Isen de ce move. Des tipeurs. C'est clair, Ed. Et bah, très belle première game de Alba qui, quand même, bah, malgré la douille, a réussi à bien revenir. Et ça tue pas. On va passer à la game 2 sur Tower of Heaven et le Love des starters. Ok, Lance Strong. Ça route, ça fait son 5. Ça a tenté un cool, mais c'est pas passé de la part de Alba. Du coup, la phase d'avantage chez Reverse. Nerf, fer. Ok, ça tentera pas plusieurs fers de la part de Hankoku. Encore la petite douille. Et la douille! Encore! Ok, Up tilt, up strong. Up air, bien vu. Ber, Ner. Ok, bien vu de la part de Alba. Faut aller chercher. Ok. Oh Jésus, c'est pas possible. Et là, cette fois, c'est la mauvaise vieille de notre coucou. Du coup, bah, c'est revenu. Hein, c'est... Ils sont revenus à quasiment égalité. Sauf que, bah, non, coucou prend l'avantage. Il y a 60% d'avance. Ok, Ber. Pas de follow dessus. Ok, un nerf. Ok, le deuxième nerf touchera. D'un tilt, d'un tilt. Ok, cette fois ce sera une roll et tout. D'un tilt, d'un coucou. C'est lui qui a l'avantage. Attention, le fer. Ah, c'est mal dit. Aïe, coucou qui prendra la. Qui prendra la stock. Allez, Alba, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Et you can do it. Ok, nerf. Ok, un coucou qui a tenté. Le derby Adiaï de la part d'Alba. Ok. Attention. Oh, super bien vu de la part de Alba. Parce que ça, d'un côté ça aggrave, mais de l'autre côté ça a aussi pété le pilier. Très intelligent. C'est que, en gros, il a réussi à space parfaitement pour que l'Hitbox touche les deux. Spacing très précis. Ça, c'est impressionnant. Ok, on est parti. Don't heal. Dash attack. Il est en feu le Alba! Oh, j'avoue que là il est fâché. Ouais, ok, le der qui touchera pas. Ok, dash attack, F-tilt de la part de Hankoku. Le caillou qui touche! Ouais, le caillou qui. Deuxième caillou qui touche! Il va remettre la blague. Ah, dommage, mauvais spécimen de la part de Hankoku. Qui veut se prendre le B. Ok, on est reparti en neutral. Don't tilt de la part de Alba. Grave. Olé, bien vu de la part de Alba. Attention. C'était un 50-50. Bien vu. Il arrive à totalement faire suffoquer son adversaire. Et il gagnera donc la game 2. Il a aussi réussi à se faire suffoquer toi. Mais d'abord, je suis claqué, je suis là en mode allez, je donne tout. Ouais. Mais si je parle trop, n'hésite pas à me couper. Non, moi, en fait, si je parle un peu moins parce qu'en fait, si je commence à parler alors que je commence à fatiguer, je baille en plein milieu de mes phrases. Ah, c'est tant qu'évident, ça tout de même. Je devais moins parler en fait. Du coup, on va passer sur. Oh oui! Switch, oh oui! On voit en force sur. Air Armada. Oh là, que j'ai besoin du force. Non, moi aussi. F-tilt. Der, attention! Un coucou qui a plus d'options. Alba qui le renvoie. Fer. Le désavantage de Force Burn, toujours un régal à regarder. Bah, c'est plutôt l'haricot qui est un peu compliqué. Sinon, Force Burn a pas un mauvais désavantage comparé à d'autres persos. Ça, c'est que je parle l'off-stage, évidemment. Ah, l'off-stage, oui. Du Reiko. Ok. Ok, ça cherche. Très beau spacing. Ah, dommage. Ok, bon. Là, ça roule un peu. F tilt 1 into F strong qui prendra la stock. Ce qui est marrant, c'est qu'avec force, genre tu peux recover depuis en dessous des Armada en fait. Ouais, c'est très très rigolo. Et c'est très tricky. Attention, oh là là, le souci c'est que là, un coucou, il est dans la sauce, c'est Alba qui touche. La sauce bolognaise elle est réelle. Ouais. La bolognaise, la béchamel. Ok, l'appareil qui passe pas. Nerf, le down tilt. Ah, y'a rien qui passe, y'a rien qui va là au Lander qui Ouais, il faut toucher. Tu
plus fait. Ah ok, Alba qui a tenté un gros coup de... spécifique ça, Alba. Ok, down tilt. Ok, le DR, le... toujours le down tilt DR. Ok, l'appareil de Alba. Oh putain, mais... mais là, faut qu'il come back. Ok, le DR. Ouais, okay, le side B ne touchera pas, heureusement, sinon c'était le kill à 100%. Oula. Ok, c'était le reverse down tilt. Ouais, bah il est parti derrière lui. Hein. Ah bon, bah c'est là, il se dit. Bon, bah il y a d'autres moyens de come back. Hein. Non, non, mais tu vas pas nous faire pareil en Kokou, s'il te plaît. Non. Voilà, merci. Ok, là il est dans sa fumée. Mais bon. Là faut qu'il come back, il a une stock de retard. Bon. Et c'est parti pour les phases. Oh, on est parti pour le nerf. Dash attack. Down tilt. Der. Ah, ce sera la deuxième hitbox qui touchera. Ok, cette fois c'est la phase de Alba. Down tilt. On est parti. Ok, le bear. Dans cette situation. Up tilt. Ok, très bon jeu de déplacement. Ah, la mauvaise DI. Non, Alba. Alba, le DI. Ah ouais, parce que là, vraiment, ça pénalise vachement. Quel nerf. Coucou qui attend. Bienvenue, l'up tilt. Nerf. Ok, F tilt. Ok, down tilt, la dash attack. Ouf. Oh là là là. Oh, ce mindset, il a tellement delay, il le donne strong. Il a vraiment. Oh, t'as tilt boost avec sa fumée. Oh, je m'en veux de pas avoir vu qu'il est tilt boost. Mais putain, il est strong, le hand coucou. Ce clutch qui était déçu. Je sais pas si t'as vu comme il jouait avec sa fumée aussi. Oui, il a totalement brain Alba. Il a totalement abusé la faiblesse d'Alba qu'on a vu qui est le Deza. Ouais, clairement là le cerveau il s'est fait manger. Paris, oui, totalement. C'est compliqué. Hein. Du coup, game 4. Il va revenir sur Krag. Ouh, et par contre, ça va prendre du gros counter pick de la part de Alba qui est Spirit Tree. Le counter pick préféré d'Eclairon. Ok, down tilt. Olé, on va faire des bêtises. Oh là, le petit moonwall de la part d'Alba qui sera pas payant. Ok, le grab, pas de reward sur le grab, up strong. Ok, un coucou. Ok, aïe 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 aïe. Okay. Wouh, extrêmement bien vu de la part d'Alba qui a totalement cash la Rico. Aïe. Très ouais, mais là le souci c'est que bah là Alba il arrive toujours à trouver ses phases d'avantage et attention déjà 25% de mi. Ok, le side B, on continuera par un grab. Ok, upper. Un plus. Hein, au plafond spirit tree. Ou bien vu là avec le dentier. Très vite. Sur cette map. Ok, strong. Ok, le side B touchera. Alba qui a pas beaucoup d'options. Ok, ça passe. Oh, ou la grosse crise. Et ce sera le kill sur une belle pari. Attention. Ok, attention. F strong. Ok, le DR, up tilt. Ouh, magnifiquement vu là le upper into F strong de la part de Alba. Absolument. Ok, le fer. Ok, bien vu. Ok, bah il y aura malheureusement pas de follow-up. Du coup, je pense qu'il y aura peut-être plus follow par autre chose quand même. On va voir, ouais. Allez, ouh, c'est du pas, là la bonne DI. Ok, la Salva qui a l'avantage, il a bien lu le saut. Malheureusement, il se prendra le side B. Ouais, ce side B avec la super armor. Hein. Tu ne casses pas ce side B. Attention, ouf. Allez, le B. Le B. Petit moonwalk. B
Bien attendu de la part de Alba, il attend. Ok. Ok, c'est B. Upstrong, ce qui n'est pas typé, s'il a typé, c'est peut-être tué. Ouh, il a tenté de lâcher une Upstrong. De fer, pardon, de pied-bouche. Ok, Alba qui tente une gigarelle qui passe pas. Donc Goku peut toujours comeback. Ça peut toujours être comeback, mais c'est moins la game de joueur que comme plus la game d'Alba. Oh là, je me fais pas. Oh là là, mais Goku il tente des trucs du turfu. Ah, clairement. Le plein de pouce, bah là c'est Alba qui a tenté un truc du turfu qui était giga risqué. Parce qu'il avait plus rien après. Non. Alba qui attend. Ouais, il arrive. Ok, le strong, il tue pas. C'est crag. Il les tonk. Ok, le down strong, il veut juste choper l'avantage positionnel. Les shrapnel qui touchent. Ah, dommage, j'ai mal tenu. Il meurt pas sur ce plafond de périphérique. C'est tellement con. Ah, ça, le strong, pas typé de Clarine. Et ce sera le Saint B qui touchera. Et oui, un coucou. Et confiance en toi, ton force il est cool. Voilà. Du coup, on va passer sur la grande finale. La grande finale, la fameuse. Avec du Ditto Clairon apprécié. C'est ça, du Ditto Clairon. Hop. Apprécié donc ce Ditto Clairon. Je sais que tout le monde aime regarder ça. Grande finale. Hop. Avec Trini en côté winner. Hop, je télécharge. Et Albalouz. Winner je finale. Plaisante. Grande finale. Alba Trini. Et on allez, va hop. Télécharger tous ces sets. En espérant qu'ils nous fassent rêver. Exactement. Nous on demande que ça. Hein. On veut du beau jeu. On demande du rêve. On veut du beau jeu, on veut des gens qui s'éclatent et qui nous fassent nous éclater. Exactement. Vainquez notre fatigue, messieurs. Non. On va tout donner pour ce dernier. Pour ce dernier match entre deux personnes. Bien sûr. Tac. Ah ok, Trini qui est une des rares personnes qui aime Ditto Clairon. Ici, et on est parti sur... Idol Gate. Et ça goom direct, hein, Trini il n'attend pas. Ok, on est parti, ouais Trini qui a l'avantage positionnel. Ok, Alba qui arrive à reverse, Nair. Ok, ça attend. Bonne parie. Ok, la roll, la parie sur la roll. Oh, intéressant. Ok, dash attack. Nous on aime ça. Ok, fer, ça lui rassure rien. Nair, qui lui tue rien encore. Nair, upstrong, ça tue largement pas, normal. Ok. Ah, Barry il domine un peu, hein, les pourcents. Ouais, bah il a 16% d'avance. Le souci c'est que là, c'est que Trini il est en train de prendre l'avantage et la différence est en train de se réduire. Et en plus, il offstage, du coup, la mort le guette. Mais oh, non, Le meilleur, touché s'il fait qu'il a pu recouvrir tranquillement. Attention, le. Tant tilt. Les pourcents sont quasiment égaux. Ouais, les pourcents. Là, il y a 2% d'écart. Celui qui va prendre le kill. On va prendre un bon avantage. Et c'est Alba qui prendra le kill avec un magnifique pari. Très bonne pari, side B. Ok, Trini qui se fait whiff finish. Alba qui reprend l'avantage. Ok, Alba qui roll out. Ok, upper. Bear. Ok, le petit qui touchera pas, heureusement. Pour Alba. Et là Trini n'arrive pas à prendre du tout. N'arrive pas à reprendre l'avantage ni tuer. Du coup, bah, c'est compliqué. Et il a plus d'options là.
Il est à poil. Ah non, il est encore sur Air Dodge. Magnifiquement. Il apparaît pas du Edge Guard, c'est très bizarre de sa part. Il est une soc d'avance et. Ouais, mais il a dû se dire que Trin n'avait plus rien, du coup il a dû attendre, mais. Ouais. Il s'est dit bon, j'attends et puis je pille, de toute façon. Faut en abuser de ça. Très, ok, très, attention, le père qui touchera pas, ben. Le fer qui fait des dégâts, Trini qui vraiment était critique. Ok. Bonne... Oh la pari. Ok, très bien vu sur l'attaque de la part de Alba. Ok, down tilt. Ok, Alba qui a l'avantage. On est reparti en phase de neutral. Attention, ok, ça met des hitbox. C'est Alba qui chope l'avantage. Ok, malheureusement, son derrière il ne touchera pas. Oh pfff. Oh là là, les phases d'Alba. Ouf. C'était un sauvage. Oh, mais Alba, il est sauvage dans son gameplay. Hein. C'est... Oh, d'où Jésus, c'était c'est... sauvage. Moi, si tu veux continuer comme ça, je suis content. Oh oui, son pied est sur. On est parti sur Sanctuary pour la game 2. Let's go. Allez, Trini, tu gagnes cette game, c'est sur la meilleure des maps. Ok, Ner. Jav, don't tilt. FR. Ok, le Ner. Ok, bien vu de la part de Trini qui va reverse. Ok, non, c'est Alba qui a l'avantage. Clairement, Alba est énervé. Hein. C'est du game là pour le moment. Mmh. Game d'avant, il était extrêmement fâché. Là, il est offstage. Il prend beaucoup de pourcents. Non, même pas. Ok, le F-Tilt pour envoyer. Je sais, c'est qu'Alba. Il a récupéré toutes ses options. Ouh, le delay d'Alba. Qui était bien vu. Malheureusement, une très bonne DI de la part de Trini. Ok, le nerf. Il le garde. Ah, bonne pari de la part de Alba. Ok, juste un jump qui malheureusement n'aura pas beaucoup de rewards. Attention, ok. Le nerf. F-Tilt. Nerf, F-Tilt. Le side B qui permet de remonter le terrain. Il veut le faire. Oh là 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 là. Alors c'était très bien entendu de la part d'Alba, malheureusement il n'a pas pu punir. C'est ça. Ok, attention. Ok, le side B. C'est vraiment un outil insane, du coup. Plus ça va. Ok, ça touchera. Le son qui touche. Et le upper tipper. C'était tellement clean. J'aime beaucoup comme mon niveau d'attention est différent sur un enfant de 3 ans. Parce que depuis avant, j'ai mon cerveau qui me dit regarde le héron, il dirait qu'il fait un 2 d'honneur. C'est extrêmement compliqué. Du coup, la vie de ce joueur, ils sont vraiment poussant quand même parfaitement égaux pour plus maintenant. Plus maintenant, là c'est Alba et. Ok, Alba a l'avantage. Don't hit, le fer. Alba qui revient. Il attend, Trini a plus d'options. Le F-Strong. Ok, ça a nerf. Le jeu, c'est que Trini l'a vu et il a up B. Ok, le. Ok, le Jetac Upstrong qui marchera pas. Et le Grab Upstrong, pardon. Ouh, magnifique crit de la part de Alba qui prendra la stack. Excellent. Maitri... Ok, Alba qui prend l'avantage. Maitri n'a pas dit son dernier mot. Ok, le fer qui est pareil. Reverse de la part de Alba. Bonne pari de Trini. Ok, le bear est strong. Bonne DI. Ok, là c'est Alba qui a l'avantage. Ok, bien wifi les jeux à la part d'Alba. Ok, F-Strong. Qui fait bobo. Il a retouché le sol, mais ça reste compliqué. Il avait sous le wall jump, c'est très bien. Ok, Trini qui s'avançait, mais qui a été puni par Alba. Ok, le der, c'est Alba qui est en désa. Toujours en désa positionnel. Oh, ah, dommage, je vais me faire qu'il touche. Bonne vieille d'Alba, bien revenu. Reverse. Et c'est compliqué là, faut trier, faut qu'il trouve le kill, sinon ça va être très dur. Ok, oh, le petit walk pour en réaction. Ok, bien vu de la part d'Alba. Paris. Encore à Paris. Non. Mauvais spacing de la part non, de... Ça touche pas.
Ok, le dash attack, pas de reward. Et victoire de Alba sur un purple, sur un dare into F-Strong. Alba qui, pour le moment, fait vraiment le café. Hein. Bah, il est strong, il mène 2-0 pour l'instant. À voir ce qui va se passer. Ouais, s'il gagne la prochaine game, c'est fini, il gagne la R2. Hein. Non, non, il reset. Pardon, il reset, c'est vrai. Il reset. Sauf que on va partir sur... excuse-moi. Trouble Pond, merci. Trouble Pond, non, Trouble Pond. Trouble Pond, oula, on sent la fatigue, excusez-nous. Oula, mais assez étrange de la part de Trini. Ouais, mais en attendant, au niveau des pourcents, on dirait bien que Trini s'est énervé. Trini s'est énervé, on a vu, ça a payé. Et. Magnifique drift into Paris. Ok, dash attack, F-Strong. Ok, le... Ok, nerf, ça attend. Ok, le bear, ça reverse. Ça attend dessous en réaction, pas de punish. Ok, on est reparti en neutral. Et c'est Trini qui a l'avantage, F-Strong. Voilà. Ok, fer. Voilà. Un qui type et... Alba qui n'a pas tenté de rico, voilà, étonnant. Trop loin. Bonne pari, okay. Un bon jump check, encore une bonne pari. Trini qui est là, qui est chaud, c'est lui qui a l'avantage. Ok, nerf. Ok, rien d'autre. Ça attend pour choper. Ok, l'ups. Oui. Oh, nerf. Trini. Oh là là. Attention, il est chaud le Trini. Faut voir que Alba se ressaisit s'il veut prendre la. S'il veut tenter de revenir dans la game. Attention, le momentum de Trini est impressionnant. Ok, le down tilt parfaitement. En plus, il est typé, du coup, c'est encore plus handicapant. Ok, fair into F-Strong qui prendra le kill. Non, mais il a réveillé Trini là. Il est réveillé, attention. Ok, Alba qui tente de prendre une phase, qui rate. Ok, fair. D'air, bien vu. F-Tilt. Tu mets un D'air? Non, il n'y a pas de D'air. Ok, il a préféré jouer le positionnement. Ouais. Faire F-Strong typé qui prendra la kill. C'est un 3 stacks. Trini. Trini monstrueux. Il a snowball. Est-ce que le mental d'Alba va être affecté par ça? Nous allons le voir tout de suite dans la game 4 qui va se dérouler sur Fire Capital, parce que survivre, si on veut survivre, on va sur Fire Capital. En plus, c'est une très bonne map pour Clarine. Du coup, on est parti, ça se touche pas. Ok, jeu de positionnement. Trini. Ok, c'est Alba qui commence avec un bout d'avantage. Ouais, ok, le der. Ok, ça touche par contre Alba, il roll et à chaque fois Trini les couvre. Ouais. Ok, nerf. F-Tilt, down tilt. Oula, le free flow. Oula. Ok, ça a pas tippé, mais malheureusement. Ok, Alba qui a tenté la huge read, qui est pas passé. Ok, dare, pas de follow-up sur le dare. Bonne pari. Down strong. Bear. Ok, malheureusement il perd un avantage positionnel. Et Alba, magnifique tech de la part de Trini. Il survit parce que c'est Fire Capital. Et le qui est mal DI, donc mec, faire crypto ou non, ça meurt. Ok, il va falloir pas de. Ok, pas de mots qui seront touchés de la part d'Alba. Bien drivé. Oh, magnifique delay de la part de Trini. Un tilt. Ok, oh là là. Don't tilt. F-Strong. Nair, F-Tilt. Faire. Je vais quand même pas prendre la stock quand même. Non, je sais pas, tu peux accepter de perdre une stock à un moment, Trini, mon gars. Mais il est en train de goober Alba qui meurt. Est-ce qu'on a encore 3 stacks? Oh pitié, non, ce serait beaucoup trop douloureux. Ce serait tellement violent. Oh non. Oh non.
Trini. Ok. Oh là là, mais. Oh, mais Trini, il couvre. D'un côté, il te pute, il te. Il t'arrache. Mais de l'autre côté, il est safe. Mais oui, quoi. Donne-moi ça. Il est en sa tête. Ah, maintenant, Alba, qu'il n'a plus de setup de kill. Et il trouvera le kill par un up strong. Mais malheureusement, il a une sub de retard et c'est compliqué. Ok, bien vu side B. Oh, il a tenté le follow-up, malheureusement ça passe pas. Maintenant, Alba, il y a une situation très compliquée. Le DR qui est mal DI. Oh, si ça passe quand même. Avant que... Ah non, il y a peut-être DI full in. J'ai peut-être de la merde. Alba a une chance de remonter du coup depuis ce, à cause de ce SD contre eux. Oh lolo, mais... Pas du tout chance de remonter. Mais Trini est impérial. Et Trini, vu que t'es un amour et vu qu'on t'aime beaucoup, bah s'il y a des soucis, bah après si tu veux on pourra papoter un peu. Ou jouer ensemble, voilà. Bah let's go pour la game 5. Ouais, game 5. Quand même, Alba qui arrive. Je suis sûr de voir ça, tu m'étonnes Alba, j'ai mal, oui, j'ai mal pour toi aussi. Ouais, bah... Après en soi, ça pourrait être intéressant de retaffer ça. Pour toi Alba, je pense que tu as plein de trucs intéressants à voir sur toutes ces games. Alors, la game, elle a pas duré très longtemps. Alors, on est parti sur R Armada Counter Pick de Alvaris. Ouais. Et on va voir ce que ça va donner. Cette fois, on va quand même tuer plutôt vu qu'on a des blazones plus resserrées. Let's go. Ça risque de faire très mal. Je vais être honnête, ça risque de faire très très mal. Regardez-le, ok, upper. Oh non, c'est dégueulasse. Faut dire si il est dit, ce dégueulasse. Oula, là par contre, c'est festival de hitbox et personne n'arrive pour appuyer l'autre. Ouais, ouais, c'est la dernière game. Ah, est-ce qu'un peu de fatigue se fait ressentir, c'est possible. Ouais. Et là, Alba qui commence. Ok, ouais, par contre, on sent Alba qui est toujours déboussolé parce qu'il s'est pris, parce que là, les combos sont beaucoup moins consistants que tout à l'heure. Ouh, le DI. Alvaris, ressaisis-toi. Ouais, là c'est le mental et la fatigue qui joue totalement. Clairement, la fatigue, les deux patates de fourrin qui s'est déjà pris, c'est pas bon. Hein. Ça fait mal. Hein. Ok, c'est Trini qui prend l'avantage. Ok, faire le down tilt, la dash attack qui va permettre de revenir. Oh là là, les conversions de Trini. La lecture de roll. Attention, ok, elle va qui revenir. Ok, c'est bon, elle va revenir. Alba, tu gères, ma fille Trini s'est énervée, il faut pas que tu perdes la fois. Don't tilt. Ça sent, ok, ça belle sent attente de Trini. Y a pas eu le mojo. Attention. Allez, le mojo okay, Alba. Ok, don't strong. Le mojo Alba. C'est compliqué là pour Alba. C'est compliqué. Il trouve plus du tout ses setups. Alba, j'ai l'impression qu'il est vraiment totalement sorti de la game. C'est compliqué. Il y a vraiment plus de mojo là. Les piles sont vides. Ouais, faut le brancher. Ok, F tilt. Ah. Ah ouais, y'a vraiment plus de jus. Une personnage animé, clairement. Ah ouais, voilà Trini. Bravo à Trini. Il est devenu blanc en direct. Il est devenu blond en direct pendant ce temps qu'elle parle. Bravo à Trini pour cette win. Merde, ma batterie est cuite. Il est où le marsouin pour mourir à ma place? Ah bah ouais, bah c'est... En soi, c'est ça ce qui est intéressant à taffer dans... T'as son dans les... Attends, ma caméra. Qui a taffé aussi dans les tournois, c'est l'endurance, le mental, et ça, c'est super important. De rien, Trini, mais... Et surtout que... Il faut t'attendre au fait que tu te prends une de ces murges comme ça de la part. Ouais, ouais, être capable de se prendre une murge et d'être capable de revenir et dire « Ok, je suis là, c'est pas grave, c'était une game, je passe à la suivante, je claire mon esprit et je suis reparti », ça reste dur. C'est ça. Il faut pas perdre tous tes anneaux quand tu... Putain, je fais référence à une... Faut perdre tous tes anneaux quand tu prends la gueule, faut les ramasser juste après vite fait, tu vois. Tio, t'es baisé. Ouais, Alba, il s'est pris le bonk sur la nuque, tu vois.
Bah, en soi, elle m'attaque. Toute sa dose de mojo s'est évaporée, tu vois, elle a pas pu récupérer. T'as quand même poussé Trini à se réveiller, Alba, ce qui est vachement bien en soi, en termes de progression. Alba, t'as vraiment un tap de fou. Et je trouve que nos joueurs, en général, ont été très bons. Même Maxime, format 42 fièvres. Ah oui, bah, on a eu du beau jeu, on a eu de l'accueil sur une nouvelle personne. Donc du coup, en vrai, c'était une très très bonne RDE. Je suis très content. Y a-tu autre chose à dire? Ou est-ce que vous préférez qu'on vienne papoter le chat? Je vais dire mes trucs classiques, moi, de mon côté. Hein. Donc déjà, ben, merci Ekuro, ce fut un régal de cast avec toi, même si la fatigue a un peu gâché la fin. Comme d'habitude, hein, merci aux joueurs de nous offrir le contenu. Pour qu'on puisse vous parler mal. Bah ouais, en vrai c'était super. Moi aussi j'étais très content de. Comme d'habitude, merci au Tio qui rend ça agréable et convivial à faire. Ça donne vraiment putain de la vie cette RDE quotidienne. Hein. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, elle est là, elle est quotidienne, elle est importante et parfois on a de très bonnes surprises. Si on avait une RDE tous les jours, on serait pas à la 40. Ce serait extrêmement dangereux, une R2 tous les jours, bleu. D'ailleurs, fun fact. Peut-être qui peut être intéressant, il y a aussi le tournoi de Bidouf tous les mercredis soir maintenant qui arrive. Sachant que c'est un tournoi sans caster et un peu sans caster BO8, round robin, du coup c'est 4 matchs minimum, même si vous perdez tout. Du coup ça sert aussi à taffer, ce qui peut être intéressant, et ça permet d'avoir un truc en milieu de semaine, ce qui peut arranger parfois plus certaines personnes. Et sinon également, en plus du tournoi de Bidouf, moi je dis un truc de mon côté en tant que workshopeux. Demain il y a la suite du direct des directs du workshop et... Ah oui c'est vrai. Regardez. Pas faux. Bon, en vrai, si on peut se regarder ça à plusieurs, why not se faire ça? Regarder ça à plusieurs. Mais ouais, parce que. Voilà, vous avez vu ma dévotion au cast. Moi, j'aurais pu voir un direct de workshop. Non, je suis là, je viens, je casse vos games. On est là avec Ikuro, on casse nos games, on lutte contre la fatigue. On voit Maxime 42 fièvres en train de mourir en direct dans le jeu. Voilà, toutefois, Albari qui a fait une run de fou, qui perd son mojo. C'était triste. C'est ça. Il y a eu des très belles choses. Ouais, c'est une belle RDE. Je suis la joie d'avoir pu casser le copain Oleander. Ah bon. Si on peut te voir plus souvent au tournoi Oleander, ça fera super plaisir. Et arrête de soucier aussi pas. Et ouais, en vrai Oleander, tu restes vachement solide et... Vas-y mec, tu peux le faire. Du coup, ouais. Et bah je pense... Vous devriez tous être cités premier, donc faites en sorte que les gens vous citent premier, parce que sinon... On veut train. Moi, je parle mal, moi, mon bébé. Bon, je vais donc vous dire fin de stream et merci à vous tous.